Merci beaucoup d'être là tous, vraiment. Je suis venue avec mes antisèches pour le petit discours d'introduction, j'espère que vous m'excuserez. Mais on est très heureux de faire cette école sur musique et cinéma, parce que c'est un pan important du travail de cinéaste. Pas si souvent que ça, exploré, discuté et de façon publique. Donc on a la chance ce soir, pourquoi je prends des antisèches, je ne sais pas, mais d'avoir trois invités. Faut parler dans le micro, c'est ça. Alors, je vais appeler sur scène et je vais finir après mon discours, mais que vous les voyez quand même. Donc, Arnaud Robotini, voilà, vous pouvez l'applaudir. Oui, cet homme est grand, dans tous les sens du terme. Dan Lévy, non moins grand, vous pouvez l'applaudir aussi. Une actualité brûlante en ce moment. Son film est au cinéma, c'est « J'ai perdu mon corps » avec Jérémy Clapin. Et Ulysse Klotz, non moins grand. Là que je reprends mes antisèches, pardon, merci d'avoir joué le jeu. Donc en fait, c'est vrai que sur musique et cinéma, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bah voilà, je vais le lire en fait, pardon, puisque je l'ai écrit. Donc effectivement, voilà, que serait James Bond sans les fameux thèmes, on en parlait tout à l'heure, de John Barry, Hitchcock sans les mélodies assez effrayante et flippante d'un Bernard Herrmann, ou plus simplement un demi sans les grands sentiments d'un Michel Legrand, qui l'a aidé aussi à nous communiquer tout ça. Et par exemple, si Fellini laissait totale carte blanche à Nino Rota, qui composait sans voir le film, c'est important. Un Charlie Chaplin, par exemple, lui écrivait la plupart de ses musiques et allait même jusqu'à diriger les orchestres, donc ce qui est quand même assez étonnant, et tout à son honneur. Et quant à Jean-Luc Godard, il paraît que les compositeurs qui faisaient la musique de ses films, eux, ne savaient jamais pourquoi et à quel moment ils allaient composer. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est très Jean-Luc Godardien. Donc, pas de règles, pas de recettes, mais toujours une rencontre entre des musiciens, des compositeurs et un réalisateur qui a une vision, qui a un film pour lequel vous allez travailler. Donc, qu'en est cette musique? Ça, c'est des questions qu'on aimera vous poser bientôt. À quel moment elles apparaissent? C'est-à-dire, est-ce que c'est avant, pendant ou après le tournage? Je crois que vos expériences divergent aussi à cet endroit et c'est intéressant d'en parler. Est-ce que vous le faites de manière totalement indépendante ou alors sous contrôle d'un réalisateur affreux et très méchant? Ça arrive aussi. Voilà, toutes ces questions qu'on va vous poser. Voilà, bon, je vais m'asseoir. Merci, parce que j'ai travaillé quand même pour ce petit discours. Bon, on va commencer par là. Arnaud, tu veux bien te présenter? Oui, je suis Arnaud Robotini. J'ai composé deux musiques de film pour Robin Campillo. Ensuite, une musique de film pour Bettina Oberli, pour un film qui s'appelle Le Vent Tourne, et Curiosa de Lou Jeunet. Voilà. Et toi, je fais de la musique, j'ai une carrière d'artiste indépendant du cinéma depuis fort longtemps. Et ce sont d'ailleurs mes disques, notamment un que j'ai sorti en 2000 sous le nom de Zen d'Avesta, qui m'a ouvert les portes du cinéma à travers un premier réalisateur qui s'appelait Jean-Pierre Limousin, qui m'a demandé de composer la fin de son film. Parce qu'il avait pris des compositeurs de vraiment de pure musique électronique qui n'arrivaient pas à faire quelque chose de suffisamment romantique. C'est le film, c'est Novo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et voilà, donc j'ai juste composé les huit dernières minutes. Enfin, c'était un long passage de musique, c'était intéressant à faire, les huit dernières minutes. Et puis après, Robin Campillo qui m'a appelé pour un film qui n'a pas de musique à la fin, Laurent Cantet, qui est entre les murs, c'était parti sur un échec, et après Eastern Boys, et puis 120 battements par minute. Pour lequel tu as eu un César. Voilà. Bravo. Ulysse, tu peux te présenter? Je m'appelle Ulysse. C'est pas mal. Je suis à Paris et j'ai commencé la musique de film avec mes parents. Donc j'ai vraiment la musique, ça a commencé avec le cinéma. Et ensuite, j'ai fait petit à petit mes projets personnels et j'ai continué en parallèle la musique de film jusqu'à maintenant. Voilà. Une histoire de famille. Une histoire de famille, musique de film, oui. Avec ta sœur aussi. Avec la sœur aussi. Ouais. Bon, ça c'est intéressant. Et Dan, tu peux te présenter? Vas-y. J'ai commencé avec la musique pour la scène, surtout le théâtre et la musique contemporaine. Et après, j'ai fait de la musique pour le cinéma. Et après, j'ai eu une carrière de pop avec le groupe The Do.
Et là, ça a commencé, 3 albums, et j'ai produit pour d'autres artistes comme Jeanne Haddad, Thomas Azier, enfin, plein de gens. Et je continue mon travail de producteur et de compositeur de films aussi. Ouais. Pardon, je reprends le micro du coup. Je vais poser la question un peu bête, mais qui, moi, je trouve toujours un peu amusante. C'était quoi votre premier instrument et comment vous êtes arrivés à la musique tous les trois? Parce que vous ne venez pas tous de familles de musiciens ou de... Voilà, tu veux commencer? Mon premier instrument, c'était un échec. Mon deuxième, un échec. Et un jour, un Atari ST est arrivé entre mes mains et je me suis mis à faire de la musique électronique, à pouvoir composer, et pas uniquement d'ailleurs de la musique électronique. Mais c'est que, en plus, pour le cinéma, j'ai une image de musicien électronique à cause de 120 battements par minute, parce qu'il y a beaucoup de house, mais il y a aussi un vrai score avec tout un petit orchestre de chambre qui vient se mettre sur les parties électroniques. Donc ouais, moi, mon premier instrument, c'est vraiment de pouvoir composer avec un ordinateur. Vu que c'est des échecs, je ne vais pas non plus m'étendre. Moi, j'ai commencé avec le conservatoire, du coup, musique classique, traditionnelle, solfège et tout ça. Et étrangement, j'ai le parcours inverse. C'est après où j'ai commencé à faire que de la musique électronique. Et voilà, du coup, mon premier instrument, c'est le violon et maintenant, c'est l'ordinateur. Voilà. Et moi, je suis né dans un restaurant, puisque mes parents ont toujours eu un restaurant, ils n'ont plus maintenant, mais... Et j'ai commencé avec le saxophone, puis le piano, puis le conservatoire. Et après, très vite, j'ai commencé à écrire de la musique pour des petites pièces de théâtre quand j'avais 14, 15 ans. Voilà, c'est mes débuts pour la musique. Et vous avez décidé quand d'en faire un métier? Parce que j'imagine que tous les parents ne sont pas d'accord avec ce choix de vie. Moi, j'ai décidé d'en faire un métier quand je me suis retrouvé. J'ai travaillé un an dans un vrai métier dans ma vie. J'étais analyste programmeur et je me suis retrouvé au chômage. Et en fait, j'ai repris mes études pour prolonger mon chômage. Je fais de la linguistique et informatique. Je suis informaticien, en fait. Voilà. Et ça arrive. Hein. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Pas mal de. Enfin, voilà. It's a long way to the top if you want a rock and roll. Et comme dirait le philosophe. Donc voilà, c'est venu. Il n'y a pas une vraie décision. C'est comme toujours un peu précaire. Enfin, un peu moins maintenant parce que je suis quelqu'un d'un peu plus installé. Mais il n'y a pas de moment. Enfin voilà, on commence à s'investir beaucoup de temps dans la musique. Après, moi, j'étais vendeur de disques aussi chez Rough Trade à Paris, à l'époque où il y avait un Rough Trade à Paris dans les années 90. Donc voilà, c'est. Il n'y a pas de moment vraiment, genre je vais devenir professionnel. Je n'ai pas eu ça avant, en tous les cas. Mais je pense que ça prend vraiment du temps. En tout cas, faut être patient pour en vivre. Moi, perso, ça fait peut-être 3 ans que j'arrive à en vivre. Et sinon, avant, c'était tout le temps des galères, etc. Du coup, je peux dire je suis musicien depuis 3 ans. Voilà. On peut l'applaudir. Bah, je pense que ça vient pas, oui, je suis d'accord, ça vient pas tout de suite. Moi, j'ai arrêté l'école avant de commencer quoi que ce soit. J'ai arrêté parce que je m'ennuyais et j'ai commencé à donner des cours de saxophone et de vendre des saxophones boulevard Beaumarchais. Et en fait, ma première expérience de cinéma est très drôle, parce qu'il y a Patrick Chesnel, acteur, qui rentre, il y a longtemps, hein, et rentre dans le magasin pour prendre des cours de sax pour un film. Et c'était son film où il joue le rôle d'un saxophoniste. Et je n'arrêtais pas de lui dire que sa musique, c'était moi qui allais la faire, en rigolant, jusqu'au jour où j'ai fait sa musique. Et c'est ma première expérience de musique de film. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Après, le film, je ne sais pas, je pense qu'il n'est pas très bien. J'espère qu'il n'est pas dans la salle. Mais en tout cas, c'était ma première expérience. Et c'était un peu, oui, j'ai mis le pied, j'ai fait un peu de forcing, quoi. Et ça marche. Donc tu as composé pour ton instrument d'origine, ça ? Oui, c'était... Ouais, c'était... C'est pas ce que je voulais faire vraiment, mais j'ai quand même mon nom sur l'affiche, ouais. Et,
Et justement, bah alors, tu parles de ton rapport, ton premier rapport à la musique de film. Plus généralement, c'était quoi votre rapport au cinéma et à la musique au cinéma? Parce que j'imagine qu'il était différent, mais est-ce que vous avez le souvenir d'un film comme ça, où vous vous souvenez de la musique, ou en tous les cas, qui vous a ouvert cette porte-là? Basiquement, mon grand âge, ça va être Ennio Morricone, Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Beauté, le Truand, où là, on est quand même dans le cinéma total. C'est un opéra. Il était une fois dans l'Ouest, particulièrement, en plus, avec le principe wagnérien de reprendre un thème par personnage. Enfin, voilà, ça, c'est quand on voit ces films-là. Et puis, ne serait-ce que la scène d'intro, qui devrait être, enfin, que j'imagine qu'on étudie au cinéma, enfin, dans les écoles de cinéma, l'utilisation du son, des gouttes d'eau qui crée une... enfin, ils sont quasiment dans la musique concrète, toute cette scène d'introduction qui est sublime, parce que bon, j'anticipe un peu peut-être, mais on en parlait, on s'est vu un peu avant. On a bu des verres. Et souvent, je trouve qu'il y a un impensé du son dans le cinéma, peut-être français, peut-être même, enfin, peut-être le cinéma d'auteur, je ne sais pas, parce que comme les films commerciaux, on utilise quand même des effets très spectaculaire, donc là le son on en a plein, mais dès qu'on est dans les films d'auteur, il y a un impensé du son. Et chez Léon, ou chez, on en parlait de chez Godard, il y a une vraie pensée du son. Comme en plus en France, on est quand même des héritiers des inventeurs de la musique électronique, je pense au GRM, à la musique concrète, qui a une forme de cinéma sans image aussi. Voilà, moi j'étais assez touché par ces choses-là au départ, et j'aurais tendance, moi, en tant que compositeur, à vouloir militer auprès des jeunes réalisateurs pour leur dire pensez le son de vos films, la musique en étant qu'une partie, mais pensez le son comme un élément narratif et poétique. Alors, moi, je vais juste compléter, je pense que, parce que c'est la minute critique. Je pense qu'en France, moi, c'est ce que j'ai beaucoup regretté, c'est qu'on ne, c'est on, la place du compositeur ou la place de la musique dans le film ou dans les spectacles vivants est très compliquée. C'est-à-dire que ça vient toujours à la fin, on vous appelle toujours en dernière minute. On en parlait juste avant aussi, et c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire que moi, je préférerais quand même que comme tu disais, que la musique soit un petit peu pensée avant, qu'on la projette un peu plus et qu'on en parle en amont, et que petit à petit la musique et le son se construisent pour un film. Ce que j'ai eu la chance d'avoir là sur un film d'animation, le travail dure 8 ans, pas pour la musique, mais pour la musique c'était 1 an, ce qui est énorme. Et je pense que c'est ce travail qu'on a. On est tous en demande de ce travail-là, de cette projection du son et de la musique. Et c'est vrai que ça, on n'a pas l'habitude. En tout cas, moi, j'ai dû faire peut-être 6 longs métrages. Et à chaque fois, c'était toujours au dernier moment. On vous appelle, on dit il reste 3 semaines, il faut mettre de la musique. Et forcément, ça ne peut pas être bien, en fait. Ou alors, c'est très rare. Et je pense qu'il faut mettre la musique à la place de la photographie, des acteurs. Et je pense que si on essaye d'aligner ça dès le départ, on pourra aller peut-être un petit peu plus loin. Voilà. C'est sur le film J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Je précise juste pour la salle qu'il y a un film qui est en ce moment au cinéma et dont on va voir un extrait, donc peut-être qu'on pourra rebondir aussi en fonction de l'extrait qu'on va voir du film. Et toi, Ulysse? Sur ce sujet-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tous les cas, tout le temps. Parfois, on en parle 2 ans avant que le film se passe avec le réal. Parfois, on a le film avec tous les passages musiques, avec des refs musiques improbables. Et on dit, bon, bah, il n'y a qu'un mois, il faut refaire tout. Et je me dis qu'en fin de compte, les deux sont plutôt agréables, en fait. Genre, c'est assez drôle quand même en termes de challenge d'avoir le côté, il y a le film avec toutes les musiques extérieures, prises d'autres films et tout ça. Et genre, bah, vas-y, trouve quelque chose. Je trouve ça assez drôle parfois. Il y a un côté challenge qui est amusant. Voilà. Mais bien que ça donne souvent des très mauvaises BO.
ce côté, j'ai un mois pour faire toute la BO avec des refs genre du Bach, du Queen et tout ça. Ça donne des mauvaises BO, mais c'est drôle. Bah parce que la musique n'est pas pensée. Enfin, tu vois, je préfère un réalisateur qui va avoir une position radicale de dire je n'aime pas la musique. C'est pas mon truc, j'en mets pas. C'est possible de faire une musique, des films sans musique, il y en a plein de très bien. Et, ou alors de vraiment penser sa musique comme les grands réalisateurs l'ont toujours fait. Enfin, j'ai pas de... Il y a les musiques aussi où ce n'est pas des musiques de compos, c'est des musiques préexistantes. Et ça, parfois, c'est même beaucoup mieux que si un compositeur faisait la musique. Bah, du comme le moment que c'est pensé, oui, ouais. Quand le son est pas. Enfin, Tarantino, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ou Guy Ritchie, c'est quasiment que. La musique de film, c'est de la synchro, c'est pas pareil, oui. C'est une autre façon de penser le son et la musique. Mais c'est vrai, mais c'est ce qui reste beaucoup en fait. J'ai l'impression que ces musiques extérieures restent énormément, parfois plus que les BO de films, en tout cas surtout aujourd'hui. Bah, parce qu'ils utilisent des tubes, donc c'est plus facile, hein, tu vois, que d'imposer un thème. Après, t'as plein de t'as plein de thèmes aussi qui arrivent avec les films. Après, il faut que pour voir si le thème et le film restent dans le temps, il faut avoir un peu de recul. Mais il y a quand même, enfin, toi, on connaît tous des grands thèmes de. Enfin voilà, c'est pas. Il y en a un peu moins aujourd'hui, mais ouais. C'est vrai qu'on voit les. Enfin, je sais pas, quand on veut essayer de chanter les thèmes de Interstellar ou genre de trucs, c'est impossible à chanter, quoi. C'est juste des ambiances. Voilà. J'ai l'impression que c'est une autre époque les thèmes. Enfin, je sais pas. Bah, je sais pas, non, si, tu as quand même les thèmes des. Bah, là, si on va dans les films commerciaux, tu as des grands thèmes. Dans les séries, il y a des thèmes. Ouais. Tout le monde. Un thème, c'est juste quelque chose que tu reconnais, c'est pas forcément. Game of Thrones, tout le monde peut te chanter. Hein. C'est ça aussi. Je pense que c'est. Les génériques, c'est fait pour dire, voilà, le film, c'est celui-là. Et c'est, tu peux pas dissocier Le Parrain de la musique du Parrain. Tu peux pas dissocier Star Wars de la musique de Star Wars. Je pense que j'ai lu une interview de George Lucas qui disait qu'à l'époque, les maisons de production de films disaient, ouais, mais attention, il faudrait utiliser de la funk parce que c'était la musique de l'époque, etc. On imagine Star Wars avec un pied, une basse et une cocotte de guitare. Ce serait super ringard. La version, non, Blaxploitation, pour le coup. Tu vois, Coffey, avec la musique de Roy Ayers. Je pense que le thème... Aujourd'hui, il y en a moins des thèmes. Si, il y en a dans les séries, il y a des thèmes qui reviennent. Avengers et tout ça, ils ont tous des thèmes. Stranger Things, il y a un thème très très fort. Et là, on est qui sur est très... un colloque sur le cinéma ou... Non, je rigole. On a le droit de parler de tout. Ouais. On a le droit de parler de tout. C'est bien, ça part très vite, comme vous pouvez le constater. Donc moi, je suis perdue, mais je vais essayer de rattraper mes petits. On peut commencer peut-être par des extraits de films, parce que en fait, on a fait un petit jeu. J'ai demandé à nos trois intervenants de choisir un film qu'ils avaient aimé sur lequel il y avait de la musique. Peut-être qu'on peut les voir et après vous les commenter, peut-être d'abord même les situer. Alors Ulysse, toi t'as choisi Twilight. Ouais. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une commande, je trouve ça assez drôle dans les films quand il y a des commandes qu'on demande à des stars de pop de faire une musique pour un film. Et souvent, les réalisateurs n'en veulent pas et les stars de pop ne veulent pas le faire. Et puis, je pense qu'il y a un lien de business qui se fait, qu'ils le font. Et finalement, ça marche. Moi, je trouve ça plutôt drôle, ce genre de rencontre. Et voilà. Est-ce que tu veux nous raconter, avant qu'on voit l'extrait, un peu, pas la scène, mais où elle se situe dans le film, pour aider un peu les gens qui n'auraient pas vu Twilight? Ça arrive encore. C'est dans l'épisode 2, il me semble, c'est le réalisateur, c'est celui qui a fait American Pie. Et dans l'épisode 2, c'est la fille, il me semble qu'elle s'appelle Bella, elle se fait larguer par le vampire. Et elle est du coup très très triste. Et du coup, il faut mettre ça en musique. Et on a fait appel à une star de pop pour mettre ça en musique. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder du coup l'extrait numéro 2 de Twilight, s'il vous plaît ? Merci pour cet extrait, Ulysse, que tu vas nous commenter. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui avaient vu Twilight. On veut la vérité. Il y a 4 courageux. Non, c'est bien. Quand même, il y a beaucoup de gens. Il y a des menteurs, à mon avis. Hein. Il y a des menteurs aussi, ouais. Tu peux nous raconter, alors Moi, je l'ai regardé un peu par hasard.
Et c'est vrai que j'étais... j'ai été assez traumatisé de la saga. J'ai trouvé ça assez violent sur les rapports amoureux et tout ça. Et du coup, cette chanson, je sais pas, elle m'a suivi. J'ai adoré ça et tout ça. Et ça m'a rappelé en fait les chansons qu'il y avait aussi dans un peu le Titanic avec Céline Dion. Et je vois qu'il y a ces collaborations entre des stars et des films. Parfois, ça fonctionne très très bien. Et j'ai trouvé ça intéressant de montrer ce genre de musique de film qui sont en fait des... Enfin, c'est des musiques de film faites par des gens qui ne font pas de la musique de film, quoi. Voilà. Non, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a, on parlait tout à l'heure, c'est de la synchro, en fait. Bah, synchro, en fait, c'est on cherche à... Il y a un moment qu'on va appeler clip, ça pourrait être un clip, en fait. Mais ça reste la musique de film, c'est juste que... qu'il y a une dimension qui est différente. C'est-à-dire que c'est la chanson qui prend, à un moment donné, le rôle... Le rôle premier. Et ça que j'appelle synchro. C'est un moment, il y a toujours dans les films aujourd'hui... Ensuite, c'est vrai que c'est une commande. Du coup, c'est là où c'est, ça diffère d'un peu de Tarantino. Par exemple, tu parlais de Titanic, c'est-à-dire le grand public. Mais est-ce qu'on va dire que la chanson du Titanic, c'est la musique du film Titanic ? T'es commandé pour ça. Enfin, là, pour le coup, c'est encore non, différent. C'est comme la chanson de James est-ce Bond. Est-ce que c'est le score du film ouais, c'est une question. Oui, bah, le thème de flûte au début. Ça fait partie. Ils ont repris le thème, c'est vrai. C'est vrai que là, sur celui-là, du coup, j'ai regardé, c'est Desplat qui a fait la musique de la saga. Et c'est vrai qu'on n'en retient pas grand-chose. Ça habille bien les scènes et tout ça. Mais cette scène-là, on la retient. Quoi. Enfin, les gens qui sont fans un peu de cette saga, comme moi, je retiens cette scène. Je trouve ça intéressant de voir que c'est pas... Ensuite, ça un peu sort les musiciens de musique de film de la participation, mais je trouve ça intéressant de voir que ces scènes-là restent énormément, en fait. Et qui l'a écrite ? C'est Licoli. Après, il y a aussi un effet sur cet extrait qui est étonnant, c'est que tu as un travelling circulaire autour de la jeune fille qui doit faire passer le temps. Et la musique nous aide quand même vachement à enquiller les saisons, etc., dans l'apogée de la mélancolie adolescente, de tout ce qu'il y a de plus pop et de plus romantique et de plus emphatique. Et pour ça, la musique vient complètement coller et surligner un peu ce qu'est censé raconter le film. Et là où je trouve, tu as raison, ça marche hyper bien, c'est dans le côté très pop, pop dans le sens populaire et elle nous permet quand même c'est 2 minutes de faire écouler un an, ce qui est quand même pas rien et ce qui est narrativement très utile et donc c'est vrai que je me dis aussi en termes de mise en scène, la musique elle fait avancer tout d'un coup la narration du film par cet effet magique que permet la musique qui est très opérant ici. Alors après, on aime le... Je ne suis pas fan de la chanson, personnellement, mais elle opère extrêmement bien à cet endroit, ça, c'est vrai. Et elle est lancée par ce travelling circulaire où on ne s'attend pas à voir les saisons défiler. Et cette mélancolie nous apparaît comme ça, cette adolescente. Et dans ce sens-là, c'est vrai que je la trouve bien choisie. Dans le cinéma, aujourd'hui, stylistiquement, c'est très demandé. Dès qu'on a... il faut faire passer 4 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, on place une chanson. Et ça permet de, c'est assez facile en fait. Maintenant ça devient, il y en a même une dans J'ai perdu mon corps. Mais à un moment c'est parce que on se retrouve sur un laps de temps qui est très long et qu'il n'y a pas de parole, donc il faut comprendre que le temps est long. Et qu'est-ce qu'on fait quand le temps est long ? Ben on place une chanson qui endort un peu le spectateur. Et ce qui a un style, c'est-à-dire que c'est vu, revu. Et ça, par exemple, ça serait intéressant de le repenser différemment et de l'imaginer différemment. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu une rustine toujours. C'est-à-dire que ça marche, hein, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je trouve la chanson super belle, etc. Mais c'est souvent, avec The Do, par exemple, on a eu une énorme synchro comme ça dans High Origin, le film. Où il y a notre chanson de Stidoff qui est 3 fois, mais en entier, et qui a pris vraiment le qui prend comme ça. Mais en fait, nous, on n'a pas participé au film. Et c'est vraiment quelque chose qui permet au film d'avancer, en fait, et d'être happé comme là, dans la culture clip aussi.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le cinéma, il y a une culture clip. Et c'est un peu, quand on voit un Tarantino aujourd'hui, c'est un style aussi. C'est-à-dire qu'il y a de la musique, il n'y a pas de blanc. Il y a une chanson qui dure 30 secondes, qui s'arrête, une autre chanson, et on passe ailleurs. Ou même Scorsese l'utilise dans le Casino. Ça permet de donner un rythme. Ensuite, le clip, ça se fait aussi avec des musiques musique vraiment de film. On voit les drives, je ne sais plus comment il s'appelle le réalisateur de Drive, mais dans ses films. La chanson de Kavinsky. Non, mais même avec Cliff Martinez, en fait, genre Cliff Martinez, la BO, ça fait tout de suite clip. Parce que c'est notre culture clip, c'est la culture MTV. Mais c'est pas, pas une musique. La musique, elle n'est pas clip, c'est Cliff Martinez, il ne fait pas de la pop, quoi, dans ses BO de films. Et pourtant, ça fait très clip. Voilà. Non, mais c'est intéressant de voir, du coup. Non, mais je pense que c'est une culture, c'est comme aujourd'hui dans les... Je vais vous donner un contre-exemple dans plein de vieux films où il y a des moments où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas spécialement d'action, et tu peux avoir 2-3 minutes de score. D'ailleurs, l'exemple que j'ai mis, et c'est ça, et ça n'a rien à voir, c'était avant les clips. C'est pas... Après, c'est pas une chanson, là. Mais ça pourrait être une chanson. Comment ? La scène que j'aurais pu choisir, que j'adore, dans Le Bon, la Brute et le Truand, il y a une scène de torture ils font jouer un orchestre sudiste. Il y a une superbe. C'est The Story of a Soldier, la chanson s'appelle, d'Ennio Morricone, qui a écrit une chanson façon country. Mélancolique et qui est absolument sublime. Et le truc de la scène, c'est que plus le méchant frappe la victime, plus on nous demande à l'orchestre de jouer fort. Dans le film, c'est genre, moi, ça me c'est hyper, hyper, hyper beau. Et voilà, on peut parler. Enfin, voilà, t'as 3-4 minutes de musique avec un mec qui se fait. Mais dépasser. La musique est mise en scène, en fait. C'est le groupe est dans, voilà. C'est encore plus clip. Oui, t'as carrément le groupe dans l'image. C'est pas une critique, c'est juste de dire que c'est. Là, par exemple, le groupe qui joue de plus en plus fort pour pas entendre la baston, c'est d'un coup, c'est dans le scénario, en fait. C'est la scène du film. Mais après, c'est aussi la façon dont les réalisateurs tournent. Maintenant, ou particulièrement dans Drive, où c'est très clippé, ça pourrait être sans musique. C'est un clip même sans musique. Moi, je pense que le problème, il est plus là que est-ce que des passages de musique sans dialogue, ou pour faire passer du temps, ou pour laisser respirer aussi les films. C'est important de laisser respirer l'action. Je pense que là, c'est aussi une histoire de réalisation, de photos. Il me semble. Je sais pas. Plus la musique là qui en rajoute un peu. On passe à ton extrait ? Pas spécialement, mais... Ah bon, bah si, bah alors allons-y, alors. Vas-y, présente-le-nous. C'est la scène finale de Il était une fois l'Amérique. Je suis complètement obsédé par... Et en fait, c'est difficile comme question. Genre une scène comme ça, il faut se souvenir, il faut trouver l'extrait. C'est vrai que j'ai eu des hésitations, puis je me suis dit, allez, gardons le classicisme parfois du monde. Et donc c'est la scène finale de Il était une fois l'Amérique où ils reprennent le thème de Rebecca je sais plus qui la joue d'ailleurs, c'est l'instrumentiste, non, l'actrice, je crois que maintenant elle est en petite fille, c'est elle joue dans American Horror Story, enfin bref, un des personnages féminins du film qui est important, enfin qui passe, enfin dont Robert De Niro est très amoureux, et ça, leur relation passe par tous les sentiments jusqu'au viol, et donc c'est Robert De Niro à la fin qui retourne dans son endroit préféré pour se détendre, c'est la fin du film, voilà. Oui, c'est la fin d'un long film qui raconte qui l'a vu. Alors, on va refaire le petit test. Ah, on est plus prompt à dire qu'on a vu un classique, hein, dans la salle. Bon, alors, c'est pendant la prohibition. Et en gros, c'est 45 ans. Ça, c'est important parce que la musique, à cet endroit, joue aussi comme fil de narration, et pour faire écouler le temps et pour... Il y a encore pareil, il y a les thèmes par personnage, puisque là, c'est le thème de Rebecca qui apparaît dès le début du film, effectivement, où ils se rencontrent enfants, ou pré-ados. Et il y a ce thème qui revient à chaque fois qu'elle est là.
Elle est là. Et donc, ça vient agir comme des Madeleines de Proust aussi sur un film qui s'étale sur 45 ans presque de la vie des personnages principaux. Et ça, c'est... Donc, en fait, l'extrait que tu nous montres, c'est la scène de clôture, effectivement, ouais, du personnage principal. Alors, peut-être que... on en parlera après. On va regarder l'extrait. Pardon. Tu veux nous en parler ? Je trouve que c'est une force incroyable. Enfin, après, c'est une évidence. Déjà, la mise, la beauté de la mise en scène, le temps qui est pris, la musique est ultra forte. Alors, c'est souvent un argument qu'on entend quand c'est la musique va écraser l'image. Là, la musique, on peut l'écouter toute seule. Et c'est quand même, on est quand même dans des sommets de composition qu'on n'atteindra sûrement jamais, nous. Et on voit toute la scène. Enfin, c'est sublime quand il rentre dans cet endroit. En plus, c'est le thème. Alors, quand on a vu le film, c'est le thème de Rebecca, d'elle, qui n'est pas dans la scène. Ça doit être une des seules fois où on entend ce thème-là quand elle n'est pas là. Donc, il la regrette. Et vite, on comprend. Je trouve qu'il y a une puissance. Et on sent que tout ça a été écrit avant et monté sur la musique. C'est aussi quelque chose d'important dans le processus de création, faire ce genre de scène. Le dernier plan de la fin, en plus, ça a été fait comme ça, on le sait, mais c'est évident qu'il a fait son travelling en pensant à l'arrivée des décors et la suite du thème. Et voilà. En tout cas, ça rejoint notre discussion de tout à l'heure, et je défends mon point de vue, mais j'ai l'impression que la musique de film, là, juste le fait d'avoir vu ce film, d'un coup, je replonge dans le film et je me rappelle de tout le film. Et pour moi, c'est ça une musique de film. Du thème, oui. Voilà, plus, c'est le but recherché, là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pastille. Ce que je voulais dire tout à l'heure, je n'ai rien contre les chansons à l'image, etc. Une musique de film, c'est celle qui va vous rappeler, vous replonger dans le moment que vous avez vécu pendant 2 heures. C'est-à-dire que En l'espace de 15 secondes, moi, j'ai replongé dans le film et le film a sa propre musique. Ça épouse le film et c'est ça que j'appelle un score. Pour moi, c'est ça la seule différence, c'est que c'est ce qu'on va appeler... Tout ce qu'on va mettre comme musique sur un film n'est pas la musique du film. C'est simplement ça, c'est-à-dire que la chanson peut s'écouter, cette musique peut s'écouter, mais cette musique ne peut pas s'écouter sans se rappeler de tout le film et toute l'émotion que le film peut apporter. Et ça, c'est ce que tu disais, c'est vrai que aussi aujourd'hui, on a peur de cette émotion apportée par une musique dans un film. Et c'est vrai qu'en tant que compositeur, plusieurs fois, on nous dit « Attention, là, vous allez nous faire chialer, on n'a pas envie de chialer. » Et en fait, j'ai l'impression qu'on a honte aussi d'appuyer sur des moments comme ça très forts. Et je trouve qu'il y a rien de plus beau que tous ces films, et tous ces films où on peut entendre en 2 secondes la musique, et en 2 secondes, on se souvient de tout le film. Et c'est ça la force d'une musique de film. Voilà. Et tout ça a été pensé par les scénaristes. C'est-à-dire que j'imagine que le scénario, il y a à chaque fois que Rebecca apparaît, on veut le thème comme ci, comme ça. Et puis après, il y a le travail avec le compositeur. Mais tout ça, c'est l'important, c'est que ça soit le réalisateur, c'est le chef. Hein. C'est lui qui a le final cut, c'est lui qui dirige le film. Nous, on est là pour répondre à une demande, juste une demande. Et il faut que le réalisateur s'adresse à la bonne personne avec un certain style ce qu'il va vouloir exprimer dans son film, choisir son compositeur. En prenant ça en compte. Et puis après, il doit mettre dans son scénario la musique, les moments de musique. Et puis après, bien sûr, au moment du montage, on peut toujours rajouter des choses ou en enlever. Mais je trouve que là, on sent que ces films-là ont été pensés, les scores sont déjà intégrés dans le scénario. Et pas du tout... en tous les cas, y a une pensée de la musique. Ce qu'il faut dire peut-être sur ce film, juste sur le contexte, c'est qu'en fait la musique a été écrite bien avant, je crois 10 ans même avant,
Je ne sais pas pour celui-là. Ouais. En général, la musique est écrite avant. Elle était écrite avant, ce qui est effectivement de nos jours assez rare de faire intervenir un compositeur en amont du tournage, ça c'est vrai. Alors après, vous pouvez nous parler de vos expériences, mais c'est vrai que c'est plutôt rare de nos jours. Et qu'effectivement, quand après l'écriture du film se fait et que la pensée du tournage s'opère, lui, Sergio Leone disait qu'il se nourrissait de la musique pour aussi s'inspirer et inspirer sa mise en scène, du coup. Et ce qui est formidable, effectivement, c'est que tu as raison, cette musique vient créer l'identité du film. C'est comme une signature, c'est véritablement une signature. On ne peut pas les départir. Après, il y a d'autres exemples qui deviennent des musiques de films. Par exemple, dans Shining, c'est que des synchros, pratiquement. C'est-à-dire des synchros, c'est des musiques existantes qu'on va placer. Sauf qu'il va placer du Bartok, il va placer concerto pour orchestre, il va placer du Stravinsky, je crois. Penderecki. C'est le truc, je crois qu'il n'y a pas Stravinsky. Je crois que la scène est tournée avec du Stravinsky. Avec Stravinsky. Le sac du printemps et à la fin, c'est Penderecki, je crois. Mais après, il a tellement tourné, il a tellement pensé les scènes avec ses musiques avant de tourner que ces musiques sont devenues les musiques du film. Vous écoutez Concerto pour orchestre de Bartok et en trois notes, vous êtes dans Shining. Donc oui, il y a des sortes de synchro, mais ce ne sont pas des pastilles, en fait. Alors peut-être parce que je viens de la pop aussi, que je suis un petit peu allergique à ça, mais la pastille pop, c'est de mettre une chanson là et on va remettre une chanson, on va finir un film par une chanson, ce qui se fait tout le temps aujourd'hui. Et c'est vrai que là, moi, je défendrais plus cette vision totale d'une musique qui est ce que je dis souvent. Pour moi, la musique de film, c'est l'odeur du film. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce qu'on a envie de. Je sais pas, il y a ce truc de. On est imprégné de la musique quand on sort d'une salle de cinéma. Et c'est moi, en tout cas, dans mon travail, c'est ce que je défends plus que de placer ou de faire des chansons. Mais peut-être parce que je fais des chansons dans la vie et que ça me saoule de faire des chansons alors que j'en fais. Hein. Pour des films, mais je trouve pas ça intéressant. Mais je suis d'accord avec toi. C'est moi le. Il était une fois Hollywood, donc Tarantino là, ça m'a énervé. Il y a les mecs qui sont habillés genre super cool 1969. Ils rentrent dans une bagnole super cool. Hop, il y a un morceau de rock ou de soul super cool. On voit des plans sur LA super cool. Hop, c'est trop systématique, c'est insupportable. Enfin, je trouve que là, pareil. C'est vraiment du clip sur du clip. Et c'est pas de la musique de film. Juste, ce qui est formidable aussi, c'est que là, on finit sur un acmé où, en fait, le thème vient rééclairer tout ce qu'on a vu pendant 4 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va nous rester de ce personnage qui a quand même castagné pendant 4 heures et pas qu'à moitié, et qui s'est fait sa vie en castagnant les autres, et c'est ça l'Amérique, et bien au final, il va aller se droguer et il va finir sur cette thématique et il va finir avec l'image de cette. Dans une forme de folie. Mais donc ça vient aussi raconter, plus qu'aucun dialogue ne pourrait le faire, un personnage, une trajectoire et la musique est hyper romantique. Ça souligne aussi sa jouissance et la jouissance liée à la drogue. Et la violence, c'est aussi une forme de jouissance. Enfin, donc là, on a vraiment la signature du film, enfin, complète, narrative même. Il y a l'lyrisme aussi. Italien et qui vient de l'opéra, etc. Il y a tout ça qui joue et qui rappelle la famille et qui existe dans Le Parrain aussi. Et là, pour le coup, les Italiens sont très forts pour ça parce qu'ils sont nés aussi dans ce lyrisme de l'opéra. Et il n'y a pas un film de cette période, avec, que ce soit Sergio Leone ou Scorsese. C'est quand même, ils ont dans le sens le lyrisme italien. Et aujourd'hui, on chante encore des airs d'opéra de Verdi ou de Puccini, qui sont des tubes en opéra. Et en fait, c'est juste des thèmes, et c'était des films. Et que vous voyez la Tosca ou la Bohème, il y a toujours cette idée de thème, il y a toujours cette idée d'histoire, de tragédie, de romantisme. Et c'est ça qu'on retrouve aussi dans ces films. Vous avez déjà composé de la musique avant de lire un scénario, par exemple ? Oui, moi, pour les films de Robin Campillo, c'est chez les deux, Eastern Boys et 120 battements par minute, une partie de la musique a été faite avant le film. Les scènes de club de 120 battements par minute, j'étais même faire le DJ pour le tournage. Donc c'était assez cool, ça c'était bien de partir, agréable pour nous, de pas être que dans les salles de montage ou dans notre studio. Donc voilà, oui, pour Robin. Et j'ai les indications dans le scénario. Il connaît bien ma musique, il connaît un peu ma grammaire. Et dans le scénario, j'ai...
un thème de flûte, un mélancolique, tout est, pas, tout n'est pas mis dans le scénario, mais une bonne partie. Et il me demande le thème, un ou deux thèmes en général, avant de, quand il est en train de finaliser son scénario, même pour l'écriture. Et voilà. Et donc, du coup, alors ça, pour le coup, moi, j'adore, c'est hyper pratique, parce que du coup, je fais des morceaux sans savoir le temps d'utilisation et comment ils vont être utilisés dans le film. Et du coup, pour sortir la BO après, c'est hyper pratique, parce que j'ai des morceaux de 3-4 minutes qui sont vraiment des formats pop, plutôt que d'avoir 34 secondes du thème que vous avez été obligé de rallonger 6 mois après l'avoir fait pour faire la BO. Donc, voilà. Ça la BO, j'entends le disque. Hein. Ça arrive de faire des musiques sans avoir lu le scénario, ça c'est sûr. Ouais. C'est vraiment des cas de figure tout le temps différents. Je sais pas, il y a zéro règle sur ça. Mais il y a un endroit où tu te sens bien, toi ? C'est vrai que l'idéal, c'est de commencer avant le montage, quoi. Même avant le tournage, c'est trop bien de pouvoir discuter longtemps avec le réal. On sait où on va, on envoie. En fait, l'idéal, c'est vraiment que le monteur, il ait un espèce de tiroir avec plein de sons du compo et qu'il peut placer là où il veut. Et ensuite, on adapte les choses. Et là, c'est vraiment bien, en général, quand c'est comme ça. C'est l'idéal. Là, ma dernière expérience, c'est un film d'animation. Donc, vous ne travaillez jamais avec le film. Vous travaillez avec des storyboards. Donc, c'est très compliqué. Donc, du coup, par contre, le montage ne change pas. Mais c'est une expérience très, très difficile parce qu'il y a juste les acteurs qui ont enregistré la voix. Et puis il y a des choses dessinées, il y a des choses où il y a un peu de couleur, etc. Mais c'est longtemps à l'avance. Mais en général, là c'est vraiment un travail très, très différent. Moi j'ai adoré travailler pour l'animation pour ça, c'est qu'il y a quelque chose où j'ai tellement travaillé sur des films où le montage changeait à chaque fois et à chaque fois nous on se trouve toujours à refaire et en fait on passe plus de temps j'ai l'impression à recaler une musique d'un film ça que de la composer tout, voilà. Mais ce qui serait très bien c'est des films avec des storyboards, ça serait bien en France. Mais il y en a beaucoup. Après, je pense que après personne les suit vraiment. Mais par contre, en animation, t'es obligé parce que si tu sors du storyboard, ça coûte tellement cher que tu peux pas te permettre. Donc, on savait exactement ce qui allait se passer à 17 minutes, etc. Mais on n'avait rien de très sexy en fait. C'est-à-dire que on n'a pas d'image, on n'a pas d'acteur qui est là à l'écran. Donc, il faut tout imaginer. Et surtout qu'en animation, il y a énormément de musique, donc il y a à peu près là sur le dernier film 50 minutes de musique, ce qui est beaucoup. Et vous travaillez sur quelque chose sans savoir vraiment ce que sera. Moi, j'ai découvert à Cannes le film, donc il y a vraiment ce truc de se laisser aller. Mais je pense que ça aussi, c'est de trouver le réal avec qui on peut parler aussi. Et je pense qu'on parle pas assez en amont. C'est des choses de trouver un réalisateur. Pour moi, c'est un réalisateur. Je pourrais partir avec lui en vacances et parler du film et vivre avec lui parce que j'ai besoin de m'imprégner de ce qu'il a dans sa tête. Et j'ai l'impression qu'on laisse pas assez cette discussion. Mais c'est pareil en pop. C'est-à-dire quand vous partez avec vous réalisez un album, vous pouvez pas réaliser un album comme ça. Moi, j'ai besoin de vivre avec les gens et de passer du temps avec. Après, chacun ça. Ces façons de faire. Mais c'est par exemple, on dit toujours, c'est difficile de parler de musique et de communiquer ses envies de musique. C'est-à-dire, quel est le vocabulaire que les gens peuvent employer ou à quel endroit on s'entend ? J'ai l'impression qu'il manque un peu un métier dans le cinéma, c'est l'intermédiaire. Non, il existe, il s'appelle superviseur musical. Il est là que pour clearer des musiques extérieures. Non, pas forcément. C'est superviseur musical, c'est vraiment quelqu'un qui est le fusible entre le réalisateur et le compositeur. Moi, c'est la première personne que j'élimine. J'essaie d'éliminer. J'en ai pas que Robin Campillou, mais quand j'en ai eu, je dis non, c'est pas la peine, on va parler en direct. Ouais, mais je pense avec que... la réalité. Parce que pour moi, déjà, en fait, c'est le réalisateur qui a sa vision. Et c'est, il faut répondre à sa demande. Et après, j'ai eu à peu près. Enfin, Robin Campillou, c'est parfait, il est très mélomane. Donc, du coup, après, c'est des références. Il me donne des noms de groupes ou des musiques, comme ça, et puis comme tu as fait sur tel morceau. Puis voilà, les choses se font, on commence à bien se connaître maintenant. Après, avec les deux réalisatrices avec lesquelles j'ai travaillé, où c'était déjà monté,
C'est moi qui l'aurais parlé. J'ai vu le film avec d'autres musiques. Et c'est moi qui l'aurais dit. Si on travaille ensemble, je pense que ça doit être comme ça. Avec, je pense, une instrumentation. Et puis je leur demande, pour elles, comme c'était les filles, quel est le passage le plus important, le moment critique du film avec de la musique. Et je compose cette première chose qui va me permettre de décliner tout le reste autour. C'est-à-dire que, voilà. Mais c'est vraiment important que déjà d'être vraiment au contact et de ressentir l'émotion du réalisateur. C'est pour ça que Music Supervisor, ça met un mec entre qui va... C'est technique, c'est-à-dire que ça, c'est... Moi j'avais la même... C'est la première fois que je travaillais avec un Music Supervisor et au début, pareil, j'ai eu une allergie. Et en fait, non, le Music Supervisor, c'est un peu comme un avocat. Il y a un moment, ton contrat, il est bon si tu n'as pas de soucis. Dès que tu commences à avoir un problème, c'est bien d'avoir un bon avocat et un bon contrat. Un supervisor, pour moi, c'est ça. Il y a un moment, quand tu travailles un an sur un film, c'est impossible que ça se passe comme aller à la Foire du Trône. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute, et le supervisor va être là un petit peu pour tempérer certaines discussions, surtout si on est sanguin, ce que je suis, et le réalisateur aussi. Je pense que c'est bien d'avoir comme ça, comme un arbitre, quelqu'un qu'on écoute ou qui va proposer, tiens, non, mais si on fait ça, etc. Et je pense que moi, j'ai trouvé l'utilité, pas les trois premiers mois, mais à partir des six derniers mois, là, on se rend compte qu'en fait, supervisor musical, c'est un vrai métier. Aux États-Unis, il y a des prix décernés pour les supervisors musicaux. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui, parfois, on n'est pas obligé de s'entendre à merveille avec un réalisateur. C'est pas forcé. Je pense que peut avoir des... Là, tu as sûrement eu de la chance. Et moi, j'ai eu de la chance sur mon dernier film. Mais avant, c'était une catastrophe. Et je ne m'entendais pas avec les réals. Les réals ne savent pas parler de musique. Et c'est très compliqué. Bah, moi, si c'est ça, je m'en vais, en fait. Comme moi, je suis arrivé à la musique de film par hasard. Et je prends beaucoup de plaisir. Ça peut être au milieu. Ce que je veux dire, c'est pas forcément les trois premières semaines. Peut-être. Je crois qu'il faut lâcher. Enfin, toi, c'est eux, c'est leur film. C'est-à-dire, tu dis salut, je me casse. Non, de toi, que d'admettre que c'est pas la bonne chose que tu proposes et. Ah, mais bien sûr. Mais donc, tu peux rentrer dans une discussion où on n'est pas d'accord, où on échange. Oui, là, ça m'est arrivé, ça. Le superviseur musical, à un moment, va éclaircir. Parfois, tu peux rester genre un mois sur une scène, ça avance pas, etc. Et le superviseur musical est important à ce moment-là, quoi. Exactement. C'est genre juste parfois, t'en peux plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste un fusible. Mais un fusible avec des idées et avec de la psychologie. Ce qui est rare pour un fusible. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai envie de passer au troisième extrait. c'est le tien. Tu veux le présenter ? Alors, c'est complètement à l'encontre de tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a dit. Puisqu'il n'y a pas de thème. c'est un film qui m'a beaucoup marqué musicalement, qui s'appelle There Will Be Blood. Et j'étais complètement happé par la musique, mais dès les premières secondes. C'est-à-dire que pour moi, j'avais chopé l'hameçon et c'est pas une musique romantique, il n'y a pas de thème. On vous prend par. Il y a un plan fixe sur une montagne. Et en fait, moi, ce qui m'a sidéré et ce qui m'a bouleversé, c'est ce que j'ai peut-être essayé de faire en musique, c'est pour moi, c'est il arrive à dessiner cette colline avec de la musique. Il arrive à vous prendre par le col et te dire, toi, tu vas rentrer dans ce film. Et en plus de dessiner avec des cordes, vous allez voir cette colline, et juste avec ces glissandis de cordes, etc., pour arriver à un point... Après, quand on voit tout le film, etc. Et en fait, pour moi, là, c'est la musique de film en tant que décor. Et c'est-à-dire que pour moi, la musique de film peut être décor. C'est-à-dire que vous pouvez plaquer un accord et ça peut remplacer une toile de couleur, ou ça peut remplacer, ou ça peut être comme ce film de... Merde, j'ai oublié. Dogville, où il n'y a pas de décor. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la musique... peut épouser ce qui se passe sur scène et ce qui se passe à l'image. Et moi, c'est pas une musique de film qu'on va siffler, c'est pas une musique de film qu'on va... Mais elle, elle, elle,
elle vous embarque dans ce film et on sait qu'au bout de, je sais pas, moi, enfin, au bout de 15 secondes qu'on va avoir affaire à un film spécial. Bon, après, le film est pour moi un grand film avec des grands acteurs, avec une belle photo, avec une musique incroyable. Et j'ai été étonné puisque c'était... donc j'attendais le générique de fin et je vois Johnny Greenwood de Radiohead. Et je ne m'y attendais pas et j'ai été complètement surpris par la force d'un mec qui vient de la pop et qui peut aller à l'encontre complètement de son travail pour épouser le film, en fait. Voilà. En tout cas, c'est un grand film que je... Mais c'est pareil, la musique est assez forte et il y a un vrai parti pris esthétique. C'est pas que documentaire, je trouve. Il y a tout de suite, c'est des tableaux, tu vois, comme pour moi avec Sergio Leone, c'est un peu le même genre de truc. Après, qu'il y ait un thème ou pas, peu importe. C'est le son et l'image à ce moment-là, c'est-à-dire que t'enlèves la musique, ça devient presque un peu long. Et en même temps, c'est bon d'avoir ce temps sur ces images et sur ces tableaux, d'apprécier la photo et la mise en scène. En tout cas, c'est clairement une des très belles dernières BO de ces années, quoi. Elle était super, cette BO. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, quand tu dis que c'est pareil que Léon, moi, je trouve pas vraiment, parce que... Alors, bon, on peut écouter ce genre de musique sans le film, mais Léon, on l'écoute beaucoup plus sans le film que... Enfin, Morricone, on l'écoute plus sans le film. Les femmes de Penderecki, ouais, carrément, parce que ça ressemble beaucoup à un compositeur qui s'appelle Chelsea, je ne sais pas si vous voyez cet italien, musique spectrale et tout ça. On peut écouter ça, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment indissociable du film. Enfin, ça fait clairement partie du film, cette BO, c'est genre waouh. C'est genre sans, enfin, écouter sans le film, ça se fait quand on est fan de musique contemporaine, ouais. Mais sinon, ça se fait pas beaucoup. Voilà. Après, moins que Céline Dion, quoi. Toutes ces stars. Le truc des vieux compositeurs, souvent italiens, mais quelques anglais, quelques américains, c'est que c'était des vrais stylistes aussi. C'est-à-dire que Morricone, il a un son Morricone. C'est pas, il va pas faire du classique. C'est John Williams qui a amené ça. Même Bernard Herrmann avait ça aussi, de reprendre Stravinsky, Wagner, Debussy. Maintenant, les scores de films mainstream, c'est on prend l'un pour l'autre. Ensuite, quand même, un score Interstellar, il est quand même incroyable. Non, hein. Mais je parle des films plus commerciaux encore. Tu vois, où, c'est pas mal déjà Interstellar en thème de. Oui, mais voilà, ça reste. C'est-à-dire que tu t'es pas des. Toi, c'est pas la Lochifrine. C'est pas des gens qui ont un vrai style à eux qui apportent au film. Mais ouais, non, cette BO, elle est super. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve ce genre de musique, c'est quand même très années 70. Je vois Chelsea et tout ça, ils faisaient ce genre-là. J'ai l'impression qu'il y a encore un autre sujet. J'ai l'impression que dans les films, les musiques arrivent tout le temps avec 20 ans de retard à peu près. Je veux dire, les compositeurs composent. Par exemple, on parle de Penderecki et tout ça. Ça arrive après ce genre de musique au cinéma, en fait. Le compositeur qui crée ce genre de musique, ça arrive plus tard au cinéma. Enfin, c'est comme quand on écoute Star Wars, à des moments, ça fait très malheur. Enfin, comme s'il y avait un côté, le cinéma prend un peu plus tard les genres de musique qu'il met dans les films. Bon, je pense que c'est beaucoup plus libre que ça et qu'on se pose moins la question dans les musiques de films. C'est qu'on peut se permettre tout. Sur un film comme Babel, où il y a un accordéon et une guitare, par exemple, et on s'en fout de savoir que ça pourrait ressembler à un tel ou un tel. Je pense que c'est ça, moi, qui me plaît dans la musique de film, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des synthés et un kick si on veut, et comme on peut utiliser un quintet à avant, comme on peut utiliser un harmonica. Regardez Herzog, avec Popol Vuh, c'est hyper puissant. Enfin, il était en plein dans la musique de son époque, quand il... Après, c'est le truc de la musique classique. La musique classique, tout ce qui est orchestre dans le cinéma, comme c'était quand même une musique d'avant-garde, Penderecki, toute la musique sérielle, qui est différente. Mais... Je sais pas, je me dis que c'est presque autant de... Pendant que Léon faisait ses films, c'est vrai que dans un coin, tu avais
tu avais un Boulez qui faisait de la musique. Les deux, à ce moment-là, se sont pas rencontrés. Alors que maintenant, le genre de musique. Boulez n'aurait jamais fait de musique de film. Non, bien sûr. Mais je veux dire que maintenant, le genre de musique un peu à la Boulez, ça peut apparaître. Bah, ça, c'est. Chelsea, c'est pas Boulez du tout, c'est vachement plus easy listening. Bah toi, c'est vraiment les Polonais, ça. Non, c'est mais quand tu écoutes Penderecki, la musique de Conjuring à peu près. Non, le seul qui l'ont fait, la alors là, j'ai un super contre-exemple, c'est La Planète des Singes. Jerry Goldsmith, Serial Total, magnifique. C'est une de mes BO préférées. Qui d'ailleurs, c'est quand vous faites des promos, pour les, on vous demande de faire des compiles de BO. Et à chaque fois, je veux mettre La Planète des Singes. J'arrive jamais à trouver un morceau qui va pas genre juste terrifier les gens. La musique de La Planète des Singes, donc le premier, celui que Charlton Heston, c'est Total Serial, c'est incroyable. Et là, tu vois, c'est un peu après, quoi, peut-être 10 ans, mais... La musique Serial, c'est vraiment assez vieux, en fait. Hein. Schoenberg, c'est très, très tôt. Sauvage, je connais. Ouais, c'est très tôt. Non, mais c'est tout début 19... C'est presque c'est fin 19e. Du coup, c'est je reparle encore du côté un peu en retard dans la musique de film. Mais en le cinéma n'existait pas, alors. Enfin, le cinéma sonore n'existait pas. C'est pas du tout en termes de critique. C'est juste, et c'est pas la musique Serial qui est utilisée en musique de film. C'est la musique atonale. Voilà, c'est atonale, c'est pas Serial. Serial, c'est vraiment Schoenberg, c'est Webern, mais c'est pas utilisé en musique de film, pratiquement jamais. Qui se rapproche le plus, je pense, c'est La Planète des Singes. Après, si quelqu'un. Après, c'est vraiment les trucs, c'est des mélodies de timbre à la Lutoslavski Penderecki. Ça, c'est ce qu'on entend, c'est proche de ça. Hein. Qui est très bien, hein, et qu'on trouve dans Shining d'ailleurs. C'est la musique. Oui, c'est vrai. Yep. Et dans le. Il n'y a pas un morceau de Berio dans le film de Kubrick aussi, dans l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace. Non, je crois que c'est. C'est Berio avec les chœurs. Ligeti. Ah, Ligeti. Ouais, c'est Lux Eterna de Ligeti. Ligeti, oui, c'est vrai. Et qui est un peu pareil. C'est pareil, c'est mélodie de timbre et chœur. Atonal. Ouais. Mais ensuite, par exemple, je vais revenir encore à ça parce que je pense pas que ce soit complètement débile ce que je dis. Quand tu vois la musique minimale, par exemple, bon, atonal, c'est aussi du Serial, c'est atonal. Je veux dire, c'est le même mouvement, quoi. Quand on voit la musique minimale américaine, maintenant, ça arrive au cinéma un peu avec tout le délire Max Richter et tout ça. Du coup, le minimalisme arrive maintenant au cinéma alors qu'il y était au moins, ça fait je crois, il y a 40-50 ans. Et c'est dans ce sens-là où je parle de, il y a un petit retard dans l'esthétique un peu, où les compositeurs amènent quelque chose et ça arrive au cinéma après. Ensuite, c'est pas pour en faire une règle, je trouve ça intéressant de parler de ça. Il y a tous les films de Philip Glass, Power Me Come See et tous ces trucs-là. Là, mais à ce moment-là, on met tout dans le même panier, c'est-à-dire que tu utilises un quatuor et tu fais un accord majeur et ça pourrait être un quatuor de Brahms. Et en fait, on s'en fout. C'est juste de la musique qu'on désolé met. Mais je pense que la musique minimale, c'est pas ça. C'est que elle a été utilisée sûrement à la même époque, sauf qu'on a on l'a pas mise en avant comme aujourd'hui. Je pense pas que la musique de Steve Reich, un mec comme Richter se revendique de ça. Mais on les met à côté, c'est pas pareil. On va dire on vulgarise un petit peu la musique. D'autant que la musique minimaliste américaine, ça marche sur la longueur. Donc en général, au cinéma, on n'a pas non plus un temps incroyable pour développer un truc type minimaliste. Après, c'est des codes. Enfin, toi, le côté de mettre des loops et des canons. Sur Interstellar, c'est clairement un hommage à Philip Glass. Mais ensuite, je trouve ça intéressant que ça fonctionne au cinéma un peu plus tard. Voilà, c'est tout. Oui, mais quand tu le remarques, quand c'est de l'orchestre, mais par exemple, dans Do the Right Thing de Spike Lee, on utilise du hip-hop de ces années-là. Et on ne va pas le remarquer aujourd'hui en tant que musique de film. C'est-à-dire que dès qu'on utilise une musique qui va être. Ou Saturday Night Fever, si on prend la musique de l'époque. C'est de la musique qui fait partie de cette époque, mais dès le moment on va pas, en fait c'est très compliqué. C'est pour ça, c'est il y a deux choses, je pense qu'il y a deux axes. Il y a l'axe pop dans la musique de film et l'axe orchestral. Et là du coup l'orchestre, on peut faire de la musique grégorienne comme on peut faire de la musique dodécaphonique si on veut, ou sérielle, mais en tout cas ça reste de la musique dite classique, en fait. Et je pense que c'est ça. Après, si on prend les différentes, on peut pas résumer l'histoire de la musique en 50 ans de cinéma. C'est très compliqué aussi. Ça reste, on est quand même assez libre de faire ce qu'on veut dans la musique. Ah oui, là, tu parles d'une avant-garde. Je parle de tendance inconsciente un peu. Hein, j'imagine qui écoutait Philip Glass en 1974, tu vois.
C'était trois mecs défoncés à New York, qui n'avaient pas moyen de faire des films. Enfin, puis ton exemple sur la musique sérielle, tu vois, Pierrot Lunaire, 1917. C'était quoi la musique de 1917 au cinéma? C'était un mec qui jouait du piano. Je pense qu'il faut laisser le temps justement pour que les avant-gardes infusent et deviennent. D'ailleurs, quand elles sont trop avant-garde, elles ne sont pas utilisées. C'est relou. La musique, ça doit être relou de mettre Chaplin avec avec une musique sérielle, c'est trop chiant. Après, il fallait attendre un régime réactionnaire comme le régime soviétique avec Alexander Nevsky. C'était le moment musique. Prokofiev dans Alexander Nevsky. Oui, absolument. Mais Prokofiev, c'était l'avant-garde. C'était c'était l'avant-garde pour les Russes, voilà. qui refusaient la musique sérielle, qui était trop bourgeoise. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir maintenant d'extraits que vous avez vous choisi, de musique que vous avez composée pour des films. Et du coup, on pourra parler plus de votre pratique à vous et de comment vous avez fait les choses plus simplement. On commence par toi. Allez. Tu veux présenter juste en deux secondes? C'est un projet que j'ai fait, un court métrage que j'ai fait avec ma sœur qui est présente. Elena, et du coup, c'est vrai qu'on a parlé justement à ce moment-là de musique minimaliste parce que ça marche beaucoup en ce moment au cinéma, il y en a beaucoup. Et forcément, tu te dis comment je vais réussir à faire ça? J'avais jamais fait ça et puis j'ai essayé quelque chose et puis voilà. Et puis on va le regarder avec plaisir. Voilà. C'est hyper bien. Tu veux nous situer un peu le film C'est un documentaire sur c'est une série pour Canal sur des hobbies de gens, et là c'était en l'occurrence des gens qui font du hockey sous l'eau. Voilà. Bon. Très impressionnant, je vous conseille de voir ça parce que je connaissais pas, c'est incroyable. C'est pas mal. C'est étrange comme hobby, mais c'est pas mal. Ouais. Et ils ont des tubas et des masques. Ouais. Moi, je trouve important par rapport à... Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, ouais. Mais peut-être que je me trompe complètement. Non, il y a un côté un peu du mal à respirer, une flûte un peu qui est super mal jouée. On dirait un tuba, quand même. Ouais, un peu, ouais. Comme ouais. Quand tu souffles dans un tuba, non? Ouais. L'idée, c'était de pouvoir faire un instrument qui est vraiment très mal joué. Et c'est juste l'enregistrement, en fait. Presque, tu touches l'instrument, ça suffit pour faire de la musique, en fait. Ouais, je trouvais ça intéressant. Ce côté, toucher un instrument, ça suffit pour faire de la musique. Et en l'occurrence, là, c'est inspiré de... je sais pas si vous voyez toutes ces vidéos sur Internet, c'est l'ASMR où il y a plein de gens qui chuchotent. Là. J'adore. Il y a tout le temps des bruits de bouche. Ben là, c'est d'essayer de faire la même chose avec un instrument de musique, en fait. Voilà. Bon, là, c'était très fort, du coup, ça fait un peu mal aux oreilles. Ça écoutait silencieusement au casque. Voilà. Et tu as travaillé comment avec Elena, du coup? On a regardé un peu des films, des musiques, et puis moi je fais surtout de l'électronique. Et du coup, c'était de trouver un moyen d'avoir des instruments, ce qu'on dit, un peu plus organiques. Et du coup, je trouvais ça pas mal d'assumer le fait que je sais pas jouer de la flûte, quoi. Et de juste faire comme ça et bien enregistrer le truc, et ça peut suffire parfois. Voilà. On dirait presque un instrument ethnique, en fait. Ouais, ça devient. comme ça. Moi, je te dis comment je l'ai lu, parce que je n'étais pas au courant de tout ça. Et effectivement, il y a toutes ces jeunes filles et ces garçons aussi qui donc, sont sous l'eau avec un masque et un tuba. Et moi, là où ça m'a fait complètement partir, c'est que j'avais l'impression que tu étais partie du visuel du tuba. Mais c'est vrai que ton interprétation est mieux que la mienne. Elle est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je continue. Donc en fait, Ulysse, ce jour-là, a vu le tuba et j'ai eu l'impression que tu étais partie de cette image du tuba. En fait, non, parce que du coup, j'avais fait, en voyant un peu les images, mais ça s'était fait avant, je pense, le montage. C'était fait avant le montage, je savais pas que ce serait placé là, en fait. D'accord. C'était ce qu'on disait, on fait d'abord la musique, on envoie, ensuite le réal place un peu où il veut, quoi. Mais là où je trouve aussi là où la musique, je trouve, fonctionne vachement bien avec la manière de filmer, c'est que c'est quelque chose, effectivement, comment on dit ASMR, c'est vrai qu'on entend beaucoup les bruits autour. Ouais. Enfin, je sais que j'ai rajouté plein de... Il y a des bruits de cathédrale derrière qu'on entend à peine, mais c'est super fort. Du coup, ça prend tout l'espace. Du coup, dès qu'on rentre un petit son dedans, ça prend une proportion. C'est marrant que tu dises ça parce que moi, ce qui me plaît et qui me... ce qui m'a interloqué, c'est cette respiration de la flûte, c'est ça. Sous l'eau. C'est plus important que le son de la flûte, presque. Et ça, j'ai trouvé ça, de dire, tiens, on est sous l'eau.
on va utiliser de la flûte en entendant la respiration. J'ai trouvé ça très fort. Ça prenait presque le dessus par rapport à... C'est-à-dire que le son... Est, tu as fait le son et la musique. Ouais. Et en contradiction avec ce qu'on voit. Ah, le oui. son, c'est-à-dire qu'on ouais. entend quelqu'un respirer en voyant quelqu'un sous l'eau. Je trouve ça très fort. Merci. On les a montés beaucoup en mix, les sons de respiration, justement, c'était super bon. Ça, c'est une façon de penser le son globalement qui est intéressante dans les films parce qu'il n'y a pas que la musique. Et moi, j'aime beaucoup la musique concrète aussi, le travail du son naturel. Dans la musique concrète, pour ceux qui ne savent pas, c'est Pierre Schaeffer, Pierre-Henri. On prend des sons n'importe quoi et on en crée une œuvre musicale en transformant ces sons à partir de filtrage, montage, réverbération, enfin quelques effets. Voilà. Et donc, montage, enfin bon. Et on peut créer une... Même le field, ce qu'on appelle le field recordings, il y a des mecs qui vont enregistrer des paysages sonores et ils sortent des disques de ça. Et des stars, et de genre de musique. Donc c'est assez pointu et le cinéma vous permet de faire ça. Et je trouve que ce genre d'expérimentation, c'est vraiment essentiel dans un film que le réalisateur pense ses paysages sonores, musicaux, presque au même plan. C'est là où ça peut devenir vraiment hyper fort. Field recordings, le score, l'écriture d'une musique et le son des narratifs des acteurs. Mais c'est vrai qu'en écoutant tout là, les BO de minimalistes américains, en fait, quand on écoute attentivement, bon, il y a le son de la corde et tout ça, mais ce qui prend la place, en fait, c'est le son du record. C'est-à-dire qu'on entend la salle dans laquelle ça a été recordé, quoi. C'est plutôt intéressant, quoi. On entend des chaises bouger, des trucs. Je sais pas, ça donne un truc vivant dans la BO qui est pas mal. Mais là, ce que j'ai trouvé vachement bien dans la... Alors, c'est ta sœur qui... Moi, je pense que c'est important quand même. Vous avez une complicité implicite, j'imagine, depuis des années. Et je trouve qu'effectivement, le son se marie très bien à la manière de filmer, qui est très sensitive, en fait. On est vraiment du point de vue du personnage. Et de la même manière, on est dans l'écoute intérieure de la piscine, du personnage, de sa respi, comme quand on est dans une piscine. Et je trouve que la chimie ou l'alchimie des deux... se ressent avec beaucoup de plaisir, quoi. Et on sent un dialogue que je trouve qui marche, qui opère très bien, quoi. Voilà. En gros. Et voilà, c'est tout. et du coup, tu travailles toi avec d'autres gens que ta sœur? Non, juste c'est juste les seules personnes avec qui je travaille, c'est ma famille. Non, si, oui. J'ai fait pas mal de films avec Gabriel Abrantes. Je sais pas si... Ah, ça, ouais, ils ont vu un peu. Du coup, lui, il a un rapport beaucoup plus pop avec la musique, où il veut que ça fasse très pop et tout ça. Et ensuite, avec Jonathan et Caroline. Les dialogues sont différents en fonction des réals, comment tu... Ah ouais, ça n'a rien à voir. Mais en fait, l'avantage quand même d'un musicien de musique de film, c'est qu'il fait... on peut faire plein de genres de musique différentes, et c'est quand même allégeant par rapport au projet perso. On fait tout le temps un peu le même truc. On est appelé pour faire des choses très différentes, quoi. On m'a déjà demandé du jazz, alors que voilà, je fais de l'ordinateur, quoi. Voilà. Et ça s'est bien passé ? J'ai regardé des tutos de jazz sur YouTube et j'ai samplé genre coup par coup la batterie et puis j'ai remonté des machins, quoi. Je sais pas si c'est terrible le résultat, mais bon, bref. Voilà. Je suis pas du tout jazzman, zéro feeling. Et vous, ça vous est arrivé de monter aussi des musiques où vous n'étiez pas... c'était pas votre truc, mais il fallait le faire, quoi? Non, moi, je refuserais, en fait. Ah bon. C'est on vient me chercher pour la musique. J'ai une palette assez large. Et on s'arrête. C'est un jour, on me demande un score d'orchestre. Non, il y a des mecs qui ont leur prix de conservatoire, demande-leur. Après, je peux utiliser l'orchestre dans mes musiques, mais il faut que ça soit... j'en parle un peu. J'aime bien les compositeurs qui ont du style. Et comme je ne fais pas des musiques de film, c'est vrai que quand c'est bien payé, c'est cool. Hein. Mais je ne vis pas forcément de ça. Ce n'est pas ma première activité. Donc, si je fais une musique de film... ce sera ma grammaire et il faut que le réalisateur ait envie de ça. Voilà, tout simplement. Après, je vais totalement m'adapter. Je vous en parlerai quand on regardera le titre. On est parti sur un truc où j'étais sceptique. La demande du réalisateur m'a demandé, la réalisatrice m'a demandé un truc. J'étais, ouais, bah, bof, je vais faire autre chose. Et j'étais content à la fin.
Et toi, t'as déjà... Ouais, c'est le contraire. C'est quand on me propose un truc où je suis perdu, où je sais pas le faire, où je l'ai jamais fait, ça m'excite en fait. Si c'est pour faire ce qu'on a déjà fait, ou... mais je pense que si je suis arrivé dans la pop aussi comme ça, j'avais jamais fait de chanson de ma vie. Et je viens du jazz et je sais pas. Je pense que c'est encore une fois la musique, c'est de la musique. Qu'importe. Qu'on tu traverses les genres. Qu'on tape sur une porte. Ou qu'on fasse de l'ordinateur, comme tu dis, j'aime bien ça. Mais c'est pas, ça reste de la musique, ça reste du son. Donc ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec la danse contemporaine, où on va vous dire des choses infaisables et il va falloir les faire. Ou même un film d'animation, où on vous dit... d'ailleurs, l'extrait que j'ai choisi, c'est le pire extrait pour moi. C'est-à-dire que ça a été un calvaire, parce que sur papier, c'est une main qui se sauve dans Paris et... qui sort d'un camion poubelle et qui se cache dans une boîte de conserve et qui descend dans le métro et on me demande de mettre de la musique. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. C'était un calvaire. Et j'ai fait ça à la fin. Donc je pense que la musique aussi de film, et ça je pense que vous vivez la même chose, c'est pas toujours glamour. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il va falloir faire une scène musicale alors que la musique n'a pas vraiment son rôle en fait. Ou alors on imagine mal... ce que peut faire la musique là-dedans. Et surtout, c'est vrai que quand on doit mettre de l'émotion, quand on doit mettre qu'il y ait une scène d'action ou de l'amour ou n'importe quoi, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais quand vous mettez en musique quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ou de voir une main sauver... Bon, on va le regarder. oui, c'est particulier parce que t'as composé sur du storyboard en fait, c'est ça ? Tout à fait. Tu peux nous raconter un peu le procédé parce que c'est de l'animatique, ça s'appelle. L'animatique, ouais. Le procédé, c'était un procédé de maquette en fait. On vous donne des dessins et on vous dit voilà, il faut accompagner. Sauf qu'il n'y a pas de dialogue la plupart du temps. Enfin, il y en a bien sûr. Pendant les 20 premières minutes, il n'y en a pas. C'est très compliqué de s'imaginer ce que peut être l'énergie du film, en fait. Voilà. Après, c'est technique, mais là, c'est vrai que c'est une version... Là, j'ai l'impression qu'on a une version mono. Normalement, c'est... Ouais, c'est, mono 5, dans, c'est souvent mono dans les... C'est assez bizarre. Voilà, ça fait bizarre pour nous, mais la musique est très présente, normalement, un peu partout. Là, ça faisait un peu rikiki. Mais en fait, j'ai voulu choisir un moment qui était difficile dans le sens où... C'était une scène compliquée parce qu'il y a beaucoup de musique, parce que il y a beaucoup de choses à l'image, que il faut prendre la musique avec plusieurs émotions, on va dire du début où elle saute du camion poubelle, où elle rentre dans le métro et après elle se sauve, etc. Et ça, c'est toujours plus difficile de faire des scènes comme ça que des scènes où vous avez la place de faire de la musique en fait. Là, il y en a une vers la fin où ça prend un petit peu plus d'envol, mais pendant la plupart du, on va dire le tiers du film, c'est faut accompagner quelque chose. Et la musique, c'est aussi ça, en fait. Tu accompagnes le sentiment de la narration, c'est ça ? C'est comme oui, il y a c'est pas on n'accompagne pas un film tout le temps où on se dit ah voilà, ça c'est une scène musicale. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dans le film où c'est des scènes musicales. Mais il y a aussi ces scènes-là qui ne sont pas forcément, qui mettent pas la musique en valeur ou qui mettent pas ou qui font partie intégrante du rythme en fait. Et ça, la difficulté, surtout sur un film d'animation que vous ne voyez pas. Ouais. C'est étrange. Mais tu t'es quand même une version pour tout synchroniser à la fin. Non, mais j'avais la cinématique, elle a été synchronisée. Cinématique, c'est un storyboard en mouvement. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous allez voir... c'est à la seconde près. À la seconde près, okay. Par contre. Voilà. Ouais. Mais c'est tout. Vous savez par contre, est-ce que tu as le sound design? Parce que là, tu dois travailler vraiment, il y a énormément de sound design. Il y avait du sound design maquette qu'on a travaillé en préhant. On ne sait pas forcément si c'est de la musique ou du sound design. Oui, tout à fait. Il y a des grincements, des choses comme ça, qui sont d'ailleurs assez musicaux. Enfin, j'ai trouvé ça assez pertinent. D'ailleurs, il y a des moments où tu apparais, tu disparais. C'est le travail qu'on a fait ensemble avec... Le bruiteur et le sound designer, on dit. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien faire ça aussi dans les films. Avoir le son du film et le travailler, la musique autour de... Enfin, tu vois, si tu as un gros boom, tu ne vas pas mettre beaucoup de musique à ce moment-là et plutôt aller dans les moments de silence.
enfin, d'espace. Et du coup, c'était combien de temps? Ça a l'air d'être un gros boulot. C'est combien de temps? C'était un an de travail. Mais c'est très complexe, un film d'animation. C'est en fait dans le sens où le travail n'est absolument pas le même que quelqu'un qui vous livre un film et où on va changer le montage, etc. Mais où vous arrivez à ça, après. Du coup, tu as eu un gros travail d'habillage. Oui, c'est un travail. En fait, vous avancez avec toute l'équipe du film. C'est-à-dire, je recevais des nouvelles images toutes les semaines et on vous nourrit de... Donc, au début, je ne savais pas quelle couleur ça aurait. Donc, ils m'envoyaient des dessins en disant ça sera cette couleur, ça sera ça. Heureusement qu'il y avait du son. C'est un peu... Moi, c'est ça qui m'a plu dans le projet. C'est vraiment une collaboration plus une commande. Un peu, c'est ça qui et je pense que dans un film d'animation, tout le monde collabore, en fait. C'est-à-dire que c'est une grosse équipe, tout le monde travaille, et tout le monde travaille en même temps, et tout le monde découvre le film à la première projection, en fait. Mais personne ne le voit vraiment. Voilà. Vous me posez une question déjà ou... Oui, vas-y. Vous aviez quoi comme indication sur cette scène? Vous avez le scénario, mais est-ce que vous aviez comme indication éventuellement du réalisateur? Bah, l'indication, c'était après, faut voir le film, mais c'est l'indication, c'était ce moment où il voulait. C'était la première indication et la plus importante, c'est qu'il voulait donner vie à une main sans faire ce qu'on appelle du Mickey Mousing. Le Mickey Mousing, c'est-à-dire de donner chaque mouvement de la main. C'est-à-dire que c'est comme Mickey Mouse, quoi. C'est-à-dire que le plus compliqué, c'est de donner une linéarité. Je sais pas, ça se dit ça. Un truc qui va coller tous ces moments. Parce que pour les gens au début, c'est 20 premières minutes. C'est dans les 20 premières minutes du film. On comprend pas tout. On n'a jamais vu une main se sauver comme ça, etc. Donc c'est son indication, c'est de dire cette main vit. Il faut la sentir vivre. Et après, l'indication, il y a eu... Alors, c'est une scène compliquée aussi, parce qu'il y avait de la musique sur les rats, et ça rejoint... Et que cette musique, après, on a décidé de l'enlever pour mettre que du bruit des rats. Et après, il y avait cette libération de cette main qui s'accroche sur le métro et qui part et qui ouvre une certaine... Tout est basé sur la mécanique du destin. C'est un film sur le destin. Et la mécanique du destin, c'est-à-dire qu'il fallait toujours, il voulait quelque chose qui soit en route, comme ça, en route vers le destin de cette main et de ce personnage. Donc il y avait tout ça qui était indiqué par le réalisateur. Mais du coup, quand vous vous retrouvez face à une scène où il faut sortir d'un camion poubelle et il faut se cacher dans une boîte de conserve, ça peut être comique. Ce qui aurait été intéressant dans nos exemples, c'est de voir la scène comme on la reçoit. Et la scène, après, quand on met du son et de la musique, parce que la force d'une musique de film, c'est qu'on peut donner plusieurs couleurs, plusieurs émotions différentes à un film. On peut refaire là ce même extrait et le rendre comique. Et c'est ça aussi la difficulté de la musique, c'est-à-dire que la musique va tirer un trait entre l'émotion et le scénario, en fait. Après, je pense que la relation qu'on a quand ça se passe bien avec un réalisateur, et c'est ce qu'on se disait avant de venir, c'est quand ça se passe bien, déjà, on discute beaucoup, on échange beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, surtout quand vous travaillez un an. Donc on a le temps d'échanger, on a le temps... Il n'arrive pas ou il ne vous envoie pas un mail en vous disant « voilà ce que je veux, démerde-toi ». Non, je pense qu'il y a toute une compréhension mutuelle de ce qu'un film doit donner. Et je pense que c'est aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la relation entre le réalisateur et le compositeur peut ne pas être très fluide. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on ne soit pas d'accord sur la direction. Moi, ça m'est arrivé sur un film précédent où j'ai refait trois fois la musique jusqu'à temps que je fasse de la musique vraiment qui ne me convenait pas du tout. En fait, parce que le producteur est venu me voir en me disant « mais en fait, t'as pas compris, c'est un film comique ». En fait, moi, je n'avais pas vu du tout un film comique, j'avais vu un film dramatique. Mais en fait, encore une fois, c'est la musique aurait pu donner une profondeur dramatique au film. Et je pense que les producteurs ont eu peur, ils ont changé toute la musique pour dire, mais en fait, non, c'est un film comique, en fait. Et je pense que ça, c'était un manque de...
d'échange, de communication, oui, avec le réalisateur ou la production. Parfois aussi, j'ai l'impression que les réals et les prods découvrent le film quand il se fait. Du coup, c'est assez. Animation, en fait. Ah oui, pas en animation. Bah non, pas en animation. Non. Pas en animation parce que tu travailles par séquence. Tu parlais du film d'avant, celui-là, qui était aussi une animation, du coup ? Non, c'était un film que je ne nommerai pas, okay. Où ça s'est très très mal passé. Et parce que ça s'est mal passé, parce qu'on est surpris à chaque fois qu'on nous amène un nouvel indice, en fait. Ouais. Mais en fait, non, t'as pas compris, Dan, c'est ça. En fait, il fallait me le dire dès le début. En fait, je ne l'aurais pas fait. J'aurais fait ce que tu m'aurais donné comme conseil, c'est-à-dire se casser. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un réalisateur qui ne sait pas exprimer. Enfin, d'ailleurs, dans la vie en général, il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui ne sait pas exprimer son désir, quand même. Tu vois, on peut s'arrêter là. Voilà. Non, mais c'est très difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne sait pas exprimer son désir ou dialectiser ne serait-ce que quelques mots, des références. Et quand c'est vrai que après, nous, on évite à imaginer. On évite aussi, je ne sais pas si vous vivez ça, mais c'est aussi un rapport de séduction avec le réalisateur. Donc, on a envie de donner quelque chose de très beau. On est souvent très fiers du petit cadeau qu'on lui envoie. Et c'est vrai que s'ils ne sont pas d'accord, ça peut tout de suite un peu être décevant. Ils peuvent ne pas être d'accord au début, mais après être d'accord aussi. Ah ben oui, mais à un moment, c'est ça l'échange aussi. C'est-à-dire de faire les pour et les contre et d'arriver à quelque chose de... qui est un petit peu qui dans notre sens aussi de temps en temps ça fait du bien. Par exemple dans le cas d'un film d'animation ou n'importe quel autre film, est-ce qu'un réalisateur arrive en vous disant voilà j'imagine plutôt des hautbois et des clarinettes ou plutôt de la musique très électro très je sais pas militaire on va dire ou j'en sais rien n'importe quoi. Mais... Le défaut le plus compliqué en musique de film c'est que les gens vont arriver avec des références. Et ça, les références, ça aussi, c'est terrible parce qu'on ne peut pas parler de musique. Il faut en écouter. Donc, on ne peut pas écouter de la musique qui n'existe pas. On doit écouter de la musique qui a déjà été faite. Et en général, et ça, c'est très souvent, on va vous sortir une musique, tu citais Interstellar, ou on va vous citer des musiques de films qui ont coûté $1 million. Et on essaye de vous dire, mais par contre, là, on a tant. Et il va falloir faire ça. Et ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté, c'est que les producteurs et les réalisateurs s'habituent à leurs maquettes, enfin, qui ne sont pas des maquettes, puisque c'est une musique existante, montent sur cette musique-là, et après vous demandent de recomposer une musique qui soit mieux que ce qu'ils ont placé, mais sauf qu'ils ont tout conçu sur cette musique qu'ils ont choisie, qui existe déjà sur un autre film. Et là, ça, c'est des embrouilles. Bah, c'est pour avec Robin Campillo, là, vous avez compris, hein, tout est le parcours est fléché. Le vent tourne que j'ai fait, donc j'en ai fait 4, hein, donc ça va être assez rapide, je peux tout. Il y avait une compositrice avant moi qui a pas tenu la route, et voilà, donc j'ai repris. Donc il y avait sa musique, avec quelques exemples extérieurs de trucs, voilà. Et c'est là, avec la réalisatrice, elle m'a montré son film et je lui ai dit, voilà, c'est un film, en fait, c'est une histoire d'amour entre... c'est un couple qui est sur la fin et c'est un peu des agriculteurs utopistes, écolo-ultra hardcore. Ils font construire une éolienne et l'actrice principale, qui est Mélanie Thierry, a une relation avec le mec qui vient faire les éoliennes, et leur couple voilà, se finit, elle finit par partir. Et donc il y a tout un rapport entre le vent, la nature, la forêt, ça se passe dans le Jura, en Suisse. Et donc j'ai voulu choisir des instruments par rapport à ces éléments, et tous les éléments que j'allais avoir gérés dans le film. Bon, après, il y a des instruments que j'utilise beaucoup, la harpe, la flûte. Là, ça m'a servi pour la féminité. Enfin, après, des fois, on est dans les clichés. La nature, le vent, les arbres. J'ai utilisé beaucoup de corps. Enfin, des choses comme ça. Et donc, du coup, le son qu'il y avait dans son film avant a été complètement balayé par cette idée-là qui lui a plu. Et je lui dis, voilà, bah, je te propose de faire le moment du film pour toi le plus important musicalement. Et à partir de cette instrumentation qu'elle avait acceptée, hein, elle était d'accord avec l'idée, j'ai fait ce morceau-là et après,
On a tout déployé, enfin tout décliné à partir de puis avec quelques sons de synthé, à partir de ces synthés-là pour essayer d'avoir une vraie unité dans le film. Et pour Curiosa, voilà, c'est en fait ils se sont aperçus à la fin du film qu'ils n'avaient pas de compositeur. Mieux vaut tard que jamais. Et en fait, voilà, ils avaient plusieurs compositeurs en tête et ils voulaient qu'on fasse des maquettes, ce que j'ai refusé. Et en fait, ils ont remonté, ils ont fait le film en montant. J'aurais dit, vous pouvez, je vous envoie en gros ma discographie, vous débrouillez avec ça. Et ils ont remonté le film avec des morceaux à moi, de BO que j'avais faites, ou de morceaux à moi. Et voilà, donc du coup, c'était assez simple de refaire la BO après. Mais on peut peut-être regarder l'extrait, on en profite. Est-ce que peut-être tu peux situer la scène, les enjeux, parce que ça a une importance du coup. En fait, donc c'est un film d'époque. Et j'insiste sur ça parce que j'étais pas tout à fait d'accord au départ sur la direction musicale. Parce que je me suis dit, je suis un peu réac parfois. Et je me suis dit, film d'époque, musique d'époque. Et donc là, il y a Debussy dans le film, ça se passe au début du siècle en France. C'est l'histoire de Pierre-Louis et de Marie de Régnier. C'est un couple à trois. Marie de Régnier doit épouser Jean de Régnier, qui est riche et qui est l'ami de Pierre-Louis, qui est un photographe, poète, libertin du début du siècle. Et il y a le mari officiel ne touchera jamais Marie de Régnier et elle aura une vie sexuelle avec Pierre-Louis. Et elle-même fera des photographies érotiques et deviendra écrivain. Enfin, voilà, c'est un film un peu aussi sur la question de la femme, un peu féministe, qui m'intéressait. Moi, j'étais parti, film d'époque, j'ai dit, je vais pouvoir faire une version, j'adore Debussy, j'ai une grande admiration, une version un peu moderne de Debussy, mais je ne vais pas mettre de synthé, je vais faire des choses un peu très très minimalistes, avec beaucoup d'espace. Et donc la réalisatrice a insisté pour avoir des synthés, pour donner un côté moderne, quelque chose de plus évident, moderne dans le film. Et puis, voilà, c'était quoi la question, c'est ça, non ? Non, puis j'aime bien ces scènes. Je trouve que c'est super d'être compositeur de musique de film parce que tout d'un coup on peut se glisser dans la tête d'adolescente un peu coquine comme ça. Je trouve que ça fait ressortir un peu. On va encore s'arrêter là. Non, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de scène avec ce genre de dialogue, d'illustrer un truc. Je suis assez loin d'une adolescente un peu coquine. Donc voilà, je trouve ça, c'est quand même des émotions que j'exprimerais, que je trouve intéressant d'aller chercher. Oui, c'est drôle. Comment ça, c'est drôle ? Non, ça me touche. Moi, cette scène, je l'aime beaucoup. Après, on n'entend pas énormément la musique, mais je l'aime beaucoup, justement, où on a cette légèreté. Enfin, il y a tout un quelque chose qui est... Que j'ai beaucoup aimé faire, jouer aussi avec les dialogues, d'avoir la musique avec des dialogues. Voilà. Elle filme Marie-Antoinette, non ? Qui utilise. Oui, c'était un peu un exemple, mais c'est beaucoup de synchro, je crois, de Marie-Antoinette. Il y a New Order, Suxi, je ne sais pas, il y avait tout un score. Je ne m'en souviens plus du score. Mais c'est toujours dur. Puis il y a la série, il y a une série avec. Je crois que c'est Cliff Martinez qui fait The Clinic ou. C'est un peu à la mode maintenant, de faire des films d'époque avec musique. Ouais. Là, du coup, les deux sont mélangés parce que du coup, il y a. Oui, les deux sont mélangés. Bah, après, c'est un peu ce que quand je dis, c'est un peu. Que je ferais pas n'importe quoi. C'est un peu ce que j'aime faire dans la musique de film, c'est mélanger un peu de synthé avec, on entend du hautbois, des cordes, de la harpe. Voilà, c'est un peu. J'ai un peu mes lubies et j'ai envie de le développer dans les films, mais. Pas aller faire complètement autre chose. On me fait signe que c'est le temps des questions. Donc il y a un micro qui va tourner. Notre ami Raphaël, charmant. Voilà. Et donc levez la main et il vous la porte aussi. Mademoiselle, vous aviez une question ? C'est au
au moment où vous parliez des superviseurs musicaux, j'avais besoin que vous reprécisiez ce que c'était comme, comme emploi et comment il agissait, parce que je n'arrivais pas à saisir si c'était quelqu'un qui allait traduire techniquement des envies esthétiques du réalisateur, qui n'arrivait pas à les formuler dans le langage du musicien et de son instrument, ou si c'était... Le rôle premier, c'est de conseiller. C'est-à-dire que le superviseur musical va conseiller le réalisateur ou le producteur à utiliser telle ou telle musique ou travailler avec tel ou tel compositeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste... c'est un peu comme... c'est quelqu'un qui sait que en ce moment, si vous voulez donner telle ou telle couleur à ce film ou aller vers ce chemin-là, bah, c'est bien de travailler avec un tel ou un tel. C'est un peu comme un directeur de casting, en fait, qui propose des acteurs. Après, il y a, une fois que ça a été proposé, que c'est mis en route, le superviseur musical va superviser la musique de film du début jusqu'à la fin. Donc il sera là pour, ce que je disais tout à l'heure, aider s'il y a des questionnements. Si, par exemple, ça peut arriver dans un film qu'il y ait deux directions musicales qu'on ait faites et que le superviseur va indiquer... c'est pour ça que je parlais d'avocat tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui a ce pouvoir-là d'aider à convaincre que c'est une bonne direction, en fait. Après, en général, le réalisateur n'a pas besoin de ça, en fait. Le réalisateur, normalement, il sait ce qu'il veut, mais on peut avoir certains doutes, et un compositeur peut avoir beaucoup de doutes aussi à un moment, et peut un peu lâcher l'affaire, parce qu'il se sent perdu, parce que la communication est mauvaise, et là, le supervisor va aider, il soutient, en fait, et il aide, il accompagne. C'est une sorte de consultant. Exactement, oui. J'aurais voulu savoir si vous vous posiez des questions par rapport à la spatialisation quand vous faites les morceaux. Est-ce que vous réfléchissez déjà à où les sons vont être positionnés dans une salle de cinéma, parce que vous devez avoir plutôt l'habitude de travailler en stéréo et du coup ça doit vous changer. Donc voilà, est-ce que c'était quelque chose à laquelle vous réfléchissiez ou pas? Oui, quand on se dit tiens, on pourra faire un mix en 5 plus 1, on se dit c'est génial, et puis en général il y a l'ingénieur du son qui vient vous dire oulala, faut calme-toi sur les effets, parce que souvent les salles en France sont mal réglées, et si tu mets un truc que derrière, dans certains cinémas on va pas du tout l'entendre. Donc en fait, malheureusement, c'est très accessoire, c'est pas du tout une vraie expérience en multidiff comme on peut faire. Enfin moi j'ai fait des choses un peu en multidiff à la maison de la radio. Donc là, ils sont avec des systèmes qui sont vraiment calibrés. Malheureusement, dans les cinémas, on nous limite beaucoup là-dessus. On reste en stéréo, on pense en stéréo. Après, c'est vrai que le mix 5-1 aide beaucoup à... En fait, il n'y a que 10% de travail. On va mettre que 10% derrière ou 15%. On va y penser avec l'ingénieur qui mixe le 5-1. Mais par contre... là, c'est ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on a l'habitude du 5-1, donc du son qui vient de derrière, etc., surtout sur des scènes. Et d'un coup, on se retrouve à avoir la chose en mono, et là, ça paraît tout con. Et en fait, moi, sur le film J'ai perdu mon corps, c'est passé de 5-1 à stéréo, même voire mono, et on a remixé le film parce que c'est sur Netflix. Pas en France, mais c'est sur Netflix dans le monde. Et du coup, ça a été un petit peu c'était un peu le choc de revoir tout ce qu'on avait travaillé en 5-1, de le réduire en stéréo mono pour un ordinateur. Ça fait toujours, redescendre l'histoire. Quoi. Parce que le 5-1, en gros, les mix, ils mettent un peu de musique partout pour que ça soit un peu enrobant. Voilà. Mais les effets en tant que tels, comme pour de la musique acousmatique ou des choses comme ça, on en fait assez peu en fait. Bonsoir. Moi, j'aurais bien aimé que vous éclaircissiez le lien que vous entretenez, surtout pour l'animation, du coup, avec les bruiteurs. Parce que la séquence que vous avez montrée, il y a vraiment une... à des moments, il y a presque les bruitages qui prennent le dessus sur le son. Et comment est-ce que vous travaillez c'est vraiment un travail en commun. Et c'est un travail de choix après en mix. Et c'est...
c'est souvent, et ça, c'est, j'ai remarqué ça aussi, c'est que les réalisateurs n'arrivent pas vraiment à dissocier la musique et le bruitage. Aujourd'hui, on a la possibilité, en tant que compositeur, d'amener du bruitage aussi, c'est vraiment un travail en commun. Après, on s'envoyait des choses, on échangeait. Et après, comme je vous dis, à un moment donné, c'est une scène de rat où il y avait de la musique et ça continuait. Ça, en fait, c'était une scène qui durait 10 minutes et on a décidé d'enlever la musique pour laisser... Après, ça, encore une fois, c'est vous êtes en studio, vous posez des questions, on a des doutes, il y a des questionnements, mais non, mais c'est mieux avec la musique, non, c'est mieux. Et après, il y a une autre façon de voir aussi. Il y a plein de moments dans J'ai perdu mon corps où on a coupé les sons en laissant que la musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se dire, est-ce que le son apporte quelque chose ? Je me souviens d'un réalisateur qui disait, quand on est dans une scène de restaurant, on a du mal à imaginer ça, mais... Une scène de restaurant, on rentre dans le restaurant, on entend le bruit du restaurant. Mais en fait, ça dure 15 secondes, 20 secondes, vous ne vous rendez pas compte. Et votre cerveau, après, entend le bruit du restaurant alors qu'il n'y en a plus. Et je pense qu'on a cette capacité à entendre des sons parce qu'on les voit et que la musique, parfois, peut rendre la chose beaucoup plus poétique, beaucoup plus forte. Donc, pas là, sur ces séquences-là, mais en tout cas sur des moments où on aurait aimé entendre un son, mais on ne l'entend pas. Et c'est un peu comme l'extrait d'Ulysse où on est sous l'eau et on entend cette respiration. Pour moi, c'est pareil, c'est de l'ordre c'est du son et on ne s'attend pas à cette respiration et on l'a. Oui, après, parfois, le bruitage est refait après la musique. Ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé sur un film, j'avais un premier bruitage... avec un bruit, c'était pour le Ventour, avec un bruit d'éolienne, et je m'étais arrangé pour que la musique, on entendait un peu une note dans l'éolienne, soit un peu dans l'harmonie, que ça fasse quelque chose qui soit assez fluide, et bien sûr, ils m'ont changé le sound design de l'éolienne, qui était soi-disant vachement mieux, et pas du tout dans la même... Enfin, dans l'harmonie, c'était... Voilà, sérieux. Non, non. Et t'as pas demandé à ce qu'ils changent la note ? Comment ? Pas demandé à ce qu'il change la note. Si, mais c'était trop tard. Enfin, toi, tu. Ouais. J'avais dit de faire attention et on va pas écouter. Je trouvais que ça. Je pense que la réalisatrice voulait. Enfin, c'était fait un peu exprès pour justement que le bruit sorte de la musique. Le résultat, moi, j'ai pas trouvé dingo, mais. Des fois, on n'est pas d'accord. D'autres questions ? J'ai pas vu. Ouais, merci. Mais c'est pas vraiment une question, non, mais c'est vraiment un échange. Mais c'est vrai que la musique, en tout cas, vous parlez des réalisateurs et parfois avec des mots un peu durs. Hein, mais je plaisante, mais voilà, peut-être un peu. Mais c'est vrai que c'est un peu abstrait. En tout cas, moi, donc je sais que pour moi, donc à chaque fois, je me demande quelle musique dans le film. Et en fait, ça a une telle importance. Donc à la fois, c'est ultra important et à la fois, on ne sait pas toujours ce qu'on va mettre. Et ça change complètement la couleur, la sonorité, la sonorité évidemment, merci. Mais voilà, donc en tout cas, il y a un côté ultra abstrait, ultra important. Évidemment, il faudrait s'y prendre vachement à l'avance. Mais il y a un truc un peu de peur. Là, on vous voit sur scène. J'ai l'impression qu'on a pour la première fois un cours d'éducation sexuelle. Enfin, il y a un truc hyper rare d'écouter, d'essayer de. Hein ? J'ai pas entendu ? Je suis contente de ce moment. Ouais, moi aussi. Non, mais voilà. Et donc voilà, c'est le début d'un dialogue. Et en tout cas, c'est vachement intéressant. Super, merci beaucoup. Je sais pas, on n'a pas eu de mots trop durs sur les réalisateurs. Enfin, non, moi, justement, non, ça, tout va bien, j'ai beaucoup bien. De respect pour ce métier-là. Et que les moments de montage, je peux admirer. Je le dis souvent, ça. Nous, on fait des disques. Souvent je fais des disques tout seul, la musique électronique, donc ça n'engage que moi. Si mon disque il plante, ça coûte pas très cher à faire et voilà, j'aurais perdu un peu de temps. Mais un réalisateur, il a quand même une responsabilité qui pèse sur lui, déjà toute la production qui est énorme, les comédiens, tous les gens qui sont, toutes les équipes qui assurent un film. Souvent je dis pour l'histoire du Ventourne, je m'y suis fait à la fin, peut-être que c'est la bonne idée, c'est juste que ça m'a déçu quand j'ai vu la scène la première fois, mais c'est la décision du réalisateur et mon avis n'est que mon avis. Et
je trouve que l'intérêt de faire, enfin en tous les cas pour moi, de la musique de film, c'est la rencontre artistique avec quelqu'un. Donc je ne me permettrai pas d'avoir un mot, soit je ne ferai pas le film, soit, enfin voilà. Mais on a le droit de dire que des fois ça s'énonce pas clairement, ou que nous-mêmes on a des difficultés à comprendre une scène ou la vision d'un réalisateur. Et encore une fois, je pense que ça c'est un truc en pop, c'est pareil quand vous êtes enfermé dans un studio, si c'est pour manger des barbes à papa et puis regarder faire des crêpes au Nutella et rigoler toute la journée, je pense que c'est compliqué de faire un album, c'est compliqué de faire un film, qu'il y a des moments ultra positif et des moments très durs. Ce qu'on disait, après moi plus moi, mais je disais que c'est le rôle aussi d'un réalisateur d'affronter tout et de préparer tout. Plus les choses sont préparées et mieux on s'entendra. En fait, c'est comme un metteur en scène en opéra. S'il arrive et une semaine avant, il ne sait pas quel décor il va mettre sur telle scène de Tristan et Isolde, c'est sûr que ça va compliquer les choses. Je pense qu'il y a cette préparation qui doit être faite des deux côtés, mais surtout le réalisateur est le capitaine du bateau. Et le capitaine, quand à un moment donné, il se dit bah, « là, je ne sais pas du tout où je veux aller », c'est tout qui s'effondre et ça arrive souvent en fait, et c'est normal. Et comme quand on fait un album, des fois c'est compliqué et que ça se passe mal, ou que c'est pas la bonne chanson et qu'on se fait chier à faire une chanson pendant 3 semaines et qu'en fait on la jette à la poubelle, mais ça fait partie du travail. Et c'était juste en tout cas en termes de préparation, nous en tant que compositeurs, et ça moi je l'ai vécu 80% des fois, on vous appelle à la fin. Et on vous appelle, genre un petit peu, genre, faut que tu me sauves là, il me reste 3 semaines, il me reste 3000 balles, il faut de la musique, et vous écoutez le film, il y a du Bernard Herrmann du début jusqu'à la fin, et on vous demande de faire ça. Je dis juste simplement, ça pour moi, c'est un truc qui n'est pas acceptable. Après, c'est amusant. J'ai déjà fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle The Passenger, où j'avais 3 semaines et que j'avais 3000 euros et j'ai eu 2 prix pour la musique en festival parce qu'il y avait cette urgence que tu disais et que ça te pousse à faire quelque chose de nouveau, mais c'est pas agréable en fait. Nous, ce que je dis simplement, c'est si mieux c'est préparé et mieux on peut s'entendre et mieux on peut se comprendre. Oui, non, mais en tout cas, j'avais commencé là-dessus, mais évidemment, on peut tout à fait dire des choses et raconter des anecdotes, et c'est pas du tout ça. Non, ce que je disais, c'est juste que c'est, en tout cas, donc comme réalisateur, c'est assez vertigineux la musique, ce que ça change dans un film, et ce qui fait peut-être que ça fait peur, j'en sais rien, et qu'il y a une espèce de champ des possibles, et c'est abstrait quand on n'est pas musicien, même si on s'y intéresse un peu. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, on se retrouve, même si on a du désir, et même, voilà, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Voilà. Je pense que réaliser un film, c'est compliqué, hein, globalement. Enfin, quand je vois, moi, de mon expérience tant que compositeur, je te dis, respect pour les réalisateurs. Hein. Puis bon courage à vous. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais j'en suis sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des aspects qui semble, en tout cas, après, ça dépend de chacun, si on est plus visuel, ou il y a des choses qui semblent plus simples, ou en tout cas, il y a plus de dialogue, et sur la musique, c'est quelque... C'est, voilà, c'est... Après, je pense que c'est au réalisateur de maîtriser... Enfin, toi, c'est il faut maîtriser plusieurs formes d'art, tu vois, la photo, la direction d'acteur... Si vous êtes auteur, de savoir raconter une histoire, et il y a la lumière, je dis photo, tu vois, enfin, et aussi de maîtriser le son et de s'intéresser à tout. Enfin, je trouve que les réalisateurs devraient écouter des disques de field recording, hein, de comment on fait de la musique avec juste des enregistrements de sons dans la nature. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre. Hein. Chris Watson, ancien de Cabaret Voltaire, fait des disques magnifiques. Mais je pensais que là, du coup, tu pourrais nous parler de toi, ton rapport avec les musiciens sur les films que tu as fait. Mais oui, là, on voir quelles étaient les complications et tout ça. Voilà. Ce moment.
pour toute la SRF. Non, pas du tout. Bah, après, je crois qu'effectivement, il y a des réalisateurs qui se sentent plus ou moins à l'aise pour parler de musique. Et il y a des gens qui ont aussi des formations musicales parmi les réalisateurs, ça arrive. Mais ça peut compliquer le rapport, en fait. C'est pas forcément plus simple, étonnamment, d'avoir un réalisateur très compétent et qui connaît ses gammes que quelqu'un qui n'y connaît rien et qui vous laisse la main et qui vous fait confiance parce qu'il vous aime. Et donc, il y a aussi cette grande question dans une collaboration, c'est qui aime qui et comment on s'aime. Et cette confiance-là, elle permet aussi d'avancer plus ou moins bien, je crois. Après, en ce qui nous concernait, nous, sur l'expérience, carrément, le titre de notre film, c'est le titre de la chanson qui, en fait, c'est cette chanson qui nous a fait comprendre notre film, en fait. Donc, en fait, très, très honnêtement, on avait un personnage, on avait une histoire, etc. Ça s'appelait Party Girl. Et il y a eu cette chanson où on s'est dit, mais en fait, voilà, il n'y a pas de hasard. Et en fait, et c'est pour ça qu'on a nommé le film comme ça. Et il se trouve que la compositrice, qui est China Woman, qui est absolument inconnue en France, qui est une star dans les pays de l'Est, bon, a été extrêmement généreuse. Et nous a donné accès à toutes ces musiques en disant vous en faites ce que vous voulez. Donc il y a aussi eu ce pacte-là qui était très généreux de sa part. Vous pouvez placer un peu plus son catalogue sur... Voilà. Et après, pour les petits, tu vois, les morceaux d'ambiance, on a demandé à des gens de le faire, mais ce n'était pas des scores, si tu veux. C'était, voilà. Et après, l'autre truc aussi, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire ? Tu sais, j'ai un gros trou parce qu'en fait, ça m'a replongé dans des affres de montage son. Tout d'un coup, j'étais en train de me dire, oui, il y a eu un problème. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, votre production, elle vous dit aussi, attendez, si vous voulez acheter autre chose que un score ou avec un compositeur pas trop cher parce qu'il n'est pas trop connu et qu'en fait, voilà, vous avez une enveloppe et pour un long métrage d'un million et quelques à l'époque, vous n'aurez pas plus de 50 000 euros pour clearer des droits. Et là, on s'aperçoit que clearer des droits, c'est aussi très, très compliqué parce que ce n'est pas aussi évident qu'on croit que... Ce qu'on appelle les synchros, ouais. Et parfois, nous, on avait une musique d'église et on voulait une synchro. Et c'était un type qui écrit ça à Oxford, tu vois, et qui avait juste joué sur un orgue. Et le mec, philosophiquement, nous a fait chier jusqu'au bout en disant, en fait, vous ne mettrez pas ce morceau parce que je refuse de participer à un film qui s'appelle Party Girl. Tu vois, le mec était un peu religieux, quoi. Et donc, on s'est retrouvé effectivement à demander à des copains compositeurs d'un peu reprendre le morceau. Alors évidemment, ils ont brodé autour, etc. Mais tu vois, il y a aussi un côté un peu bidouille, tu vois. Mais nous, on était persuadés que c'était ce morceau-là qu'il fallait. Bon. Mais pour dire aussi qu'un réal, on lui confie une somme d'argent et on lui dit, c'est avec ça que tu vas habiller musicalement ton film. Et des fois, ça match. Des fois, nous, on voulait Scorpion parce qu'on pensait que c'était fondamental. Non, mais c'est vrai. Ça le coûtait cher. Ben, on ne l'a pas eu. Ouais, pour ça, Et là, ça a été un drame. On a pleuré. Et on a demandé, effectivement, à imiter Scorpion. Les mecs, ils nous ont regardé. Ils ont fait, vas-y. Et on a fait, OK. On a compris. Mais voilà, donc c'est aussi des aléas budgétaires de choisir des musiques de films. Et après, dans une relation, mais je ne vais pas m'en mais avec des compositeurs, c'est un moment extrêmement plaisant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve ce qui est formidable, c'est quand ils viennent révéler ce que vous avez fait et que vous ne le saviez même pas, en fait. Et ça, ça arrive. Et c'est plutôt des bons moments, quoi. Voilà. Parfois, ce qui est drôle aussi, c'est quand on est persuadé, quand un compositeur fait la musique, de faire un truc génial... On montre au réal et il fait non, c'est vraiment nul, c'est pas du tout ça. Et là, à ce moment-là, il est très agréable. Je confirme. Non, bah, je confirmais que c'est comme je dis, comme il y a toujours une petite relation de séduction, j'aime bien. Voilà, c'est quand on se prend un râteau, c'est dur. Bonsoir. Je voulais revenir sur l'esthétique musicale dont vous parliez, qu'il fallait le penser en amont de la préparation du projet. Quelle est la dimension que vous donnez au design sonore de manière générale sur vos travaux personnels, malgré que vous soyez plus dans la composition musicale en général ? Aucun, parce que c'est pas le travail qu'on fait. Après, moi, j'aime bien avoir le son du film, les dialogues, et essayer de faire quelque chose qui soit musical autour du son du film. Mais c'est quelque chose qu'on maîtrise pas ou peu. Après, au mix, si on va au mix, on peut discuter de certains trucs, enfin, donner notre avis. Mais c'est moi, enfin, en tous les cas, je sais pas pour vous. Moi, je m'occupe pas du sound design du tout.
Je l'ai comme un élément du film, comme un dialogue ou comme le temps imparti pour la musique ou je ne sais pas. Voilà. C'est une contrainte. Sans le côté négatif de la contrainte, c'est quelque chose qui est là et je dois travailler avec. On ne fait pas, par exemple, toi qui connais bien les synthés et tout, on ne fait pas appel à toi pour faire du design sonore à partir de synthés ou ce genre de choses ? Non, non. Ce joli Skrillex, il faisait les sound design de Transformers et c'est plutôt marrant du coup d'avoir ce côté gros geek de synthé qui fait des sons pour les robots. Je trouve ça pas mal. Ouais. Ça arrive. Bonsoir, j'avais juste je voulais savoir, est-ce que pour vous, une bonne BO, c'est forcément un bon film ? Non. Est-ce que vous avez en tête des films que vous avez trouvés très mauvais avec une super BO ? Ou l'inverse ? Ouais, Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust, c'est un film, vous voyez, c'est un espèce de fausse neuf. Après, c'est un film un peu culte, parce que c'est précurseur des films type Blair Witch. C'est un film italien, je ne sais même plus le nom du compositeur, j'ai la BO à la maison, mais j'ai oublié son nom. Et donc, c'est les mêmes mecs qui faisaient les films d'horreur, la musique de films érotiques à l'époque. Donc, c'est une musique un peu... mi-funk, mi-orchestral. Et voilà, c'est des films d'horreur sans aucun intérêt. Il y a Cannibal Feroz, Cannibal Holocaust. Il y a toute une série de films de cannibales comme ça, italiens, dont les BO sont absolument incroyables. Et les films. Peut-être tous les films de Roubaix aussi, quoi, du coup. Genre ouais, après, moi, je ne suis pas un grand. Je sais qu'il y a des fans de Roubaix, mais ce n'est pas trop ma cam. Mais ouais, voilà, oui, les films de Roubaix, il y a plein de films. Vampiros Lesbos aussi. Que non, un film s'appelle Vampiros Lesbos, dont la BO est hyper culte. Et c'est vraiment un des disques qui a amené la mode de l'easy listening dans les années 2000, fin des années 90, et qui n'est pas vraiment de l'easy listening, mais qui a une vraie belle BO, un peu, je dirais, voilà. Et c'est un film érotique, Vampiros Lesbos, quoi. Ou plein de films Blaxploitation, il y a Blackula. Le titre fait rêver. C'est une version de Dracula, mais Blockstation, donc avec un Dracula noir et une BO funk absolument sublime. Donc, certaines BO d'Isaac Hayes aussi. Une avec que j'adore, qui s'appelle Tough Guys. C'est un film avec Lino Ventura, Isaac Hayes et je ne sais plus qui est le tracteur. Donc quand même Lino Ventura dans un film américain qui joue un prêtre qui est un ancien de la mafia et qui va sortir des gamins de la délinquance. Et la BO de Isaac Hayes, c'est vraiment super bien. C'est une sorte de Shaft bis hyper bien. Pardon.